Bonsoir à tous et bienvenue dans, sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Bienvenue en ce lundi 18 mars 2023 pour les VIOC du Wargame avec Manu de clic29-hobby.fr. Comment vas-tu, Manu Bonsoir à tous, je suis fatigué. Je suis dépité. <laughs> J'ai plein de trucs à vous dire. Ça va y gueuler. Voilà. Ça va chier, putain. Ça va chier. Bonsoir donc à tous les gens qui sont ce soir euh, sur le chat, notamment. Bonsoir et n'hésitez pas à nous noter sur 5 pour le son, s'il vous plaît. Bonsoir à Quentin de Fabricator. 14 Bonsoir à Captain Ivanov. À Luc Horry. Bonsoir à Robos, à Vexare, à Ogrius, à Marc de Lyon. À Brush Warrior, euh, ami helvétique, bonsoir. Bonsoir à Julius, bonsoir à Ménadel, à Gaby, à H le Gentil, bonsoir à Phalanx, à Goethe, à Xavier Cornet, à Big Carlos, que du beau monde ce soir, à Thierry Chauvin est là, euh, bonsoir à Fanix, pardon. À l'âme de feu, bonsoir à l'office du tourisme de la Verlandais, bonsoir à Marc-Antoine de Lerme, à Fab à, Bast, à Bastem, à Kerzakoun, à Dogbull29, <laughs> salut les vieux qui disent, Noumnopab, bonsoir <coughs> à Floed, salut Floed, comment ça va? Bonsoir à ignoble Mister D, bonsoir à Richard Guillon, bonsoir à Anthony W, à Timothée Montel, qui si je ne me trompe pas, a gagné un tournoi de badminton, c'est ça. Bonsoir à Tenuku, à Posca, à Moinou, à Zebut et à Dr Pouette. À Ben, salut Ben, de retour des États-Unis. Et merci pour ton coup de fil de l'autre jour. Bonsoir à Franck, à Dracal, salut Dracal, j'ai bien su tes euh, photos. Bonsoir à l'eau Rouge, bref et à Tulcandra. Bonsoir à tous donc euh, et à tous ceux qui sont dans le chat. Docteur Fetus aussi, H Blesse, bref que que des bons copains, que du beau monde. Stratémat aussi. Euh, okay, J'ai reçu ton SMS, mais je n'aurai pas le temps de. Ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, voilà. Alors, ce soir, dans les VIOC, comme d'habitude, euh, vous en avez d'ailleurs l'habitude, eh bien, il y a le Tipeee Stream. Vous pouvez faire un don en direct. Le lien est dans la description et, euh, et dans, dans le chat pour soutenir la chaîne, nous couper la parole, nous, nous faire un don. Enfin bref, vous en avez, euh, vous en avez l'habitude. Le programme de la chaîne cette semaine, jeudi 21, il y aura euh, la vidéo The Old World sur les patrouilles frontalières, comment apprendre à jouer tout en s'amusant avec un format à 500 points. Et euh, je peux vous assurer que pour avoir fait plusieurs parties, c'est vraiment le bon format pour appréhender les règles, parce que sinon c'est coton de chez coton. Euh, mais c'est vraiment sympa. Ensuite, le jeudi prochain, donc le 28, jeudi de la semaine d'après, vous aurez le rapport de bataille justement en patrouille frontalière avec Crush, qui était d'ailleurs dans le chat, donc bonsoir à Crush. Et pour ce soir, eh bien, le héros du Wargame, avec ses rubriques habituelles, et le débat, la suite du processus pour réussir son projet hobby avec Manu. On va tout de suite euh, commencer euh, le héros du wargame dès que Madu aura demandé le jingle. Ah putain, j'ai voulu le dire en plus, merde. <laughs> j'ai encore fini. Je demande le jingle, Philippe, s'il te plaît. <laughs> Alors je vais tout de suite répondre à Ashbless qui dit vous allez finir par me le vendre ce jeu, je vais simplement te dire ce qu'un vieux joueur que certains connaissent euh, bien, notamment Korbak, un vieux joueur, un vieux de la vieille de Warhammer 40 000, Warhammer Battle, un joueur de tournoi émérite euh, et ainsi de suite euh, euh, m'a dit l'autre jour, il m'a dit c'est pas compliqué, c'est le meilleur jeu qu'ils ont sorti depuis 20 ans. Et je suis pas loin de le penser, quand je dis pas loin, j'en suis vraiment pas loin. Voilà. Euh, donc salut à sac dame 13 à Jérôme Poison. Donc bienvenue à vous tous. Euh, du coup j'ai fait exploser euh, ce que je voulais faire, mais hein. je suis pas grave, on va passer euh, directement euh, au jingle des partenaires. C'est là que normalement j'apparais dans la vignette, voilà. Donc on commence cette partie des partenaires avec euh, l'ami. Ah, si. <laughs> ouais. oui, avec avec l'ami Torek, euh, le petit tour du côté de chez Torek. Je vous rappelle que les tipeurs de la chaîne ont moins 15% sur leur commande sur le site euh, de Torek, Torek Wargame Accessories. Eh bien, c'est le bon endroit pour trouver notamment vos tapis de jeu pour The Old World, Warhammer 40 000 AOS ou autre. Euh, chez nos amis. De chez Proxy War, c'est toujours le temps du Kickstarter. Et, si... Et il ne vous reste plus que 5 jours pour, pour en profiter. Le kicksta... Kickstarter Milletari Base en STL ou en résine, c'est la possibilité de construire plus de 300 bâtiments différents. Je vous rappelle. Donc, euh, pour moins de. Euh, je crois que c'est 28 euros. Et il vous reste 4 jours désormais pour pouvoir. Euh, l'obtenir, je m'en vais vous mettre le lien tout de suite ici du KS et sinon vous pouvez y aller avec les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Du du côté pardon de chez TechMac Minis, notre partenaire de revente de figurines d'occasion sur internet, j'ai sélectionné pour vous ce seigneur Scaven collector du Games Day de 2010. Et étant donné le prix des ressorties des figurines en métal et la difficulté de les avoir, et bien je trouve que c'est un bon plan pour cette figurine ultra collector donc de Senior Skaven du Games Day 2010. Je vous rappelle à toute fin utile aussi que les tipeurs de la chaîne ont moins 10% chez notre partenaire Forge 3D. Et que, euh, eh bien, si vous avez des envies de socle notamment, il y a toute une gamme de socles à imprimer, que vous pouvez de texturer, que vous pouvez avoir, spécialiste de l'impression résine pour tout l'univers du vieux monde. Et bien sûr, stratémat, que là encore moins 10% si vous êtes tipeur de la chaîne, avec un tapis euh, Kemri, euh, que vous verrez dans le prochain rapport de bataille le 28 mars. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de chez Stratémat, il y a notamment des nouveautés pour Blood Bowl. On passe maintenant à la deuxième rubrique à savoir, à savoir du côté de chez vous si je retrouve le jingle. Voilà. Du côté de chez vous, avec notre ami Quentin, fabricateur de l'air, toujours euh, bon pied boniole, si j'ose dire. Euh, il nous régale avec ce caisse. Il ne reste plus que 17 jours pour en profiter. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'obtenir l'intégralité, enfin l'intégralité, une partie du caisse, une table déjà imprimée. Ça peut être vraiment pratique. J'essaie de scroller jusqu'à l'endroit où il faut. Voilà, une table pour Warhammer 40 000. Euh, pour 135 euros ici même je vous mets tout de suite le lien dans la description, il n'y en aura pas pour tout le monde il y en a un nombre limité et c'est uniquement pour la France d'après ce que j'ai compris donc merci à Quentin et à Fabricators Lair n'hésitez pas à soutenir la création euh, bah, euh, Frenchy et euh, notre ami Quentin en vous inscrivant à son KS euh, impression aussi bien en STL là où, en, comment on dit, en filaire, pardon, qu'en résine. Eh bien, on va pouvoir maintenant plonger vers les news et rumeurs. Il dit non, c'est toute l'Union européenne. Ah, c'est toute l'Union européenne. Ah, ben, écoute. ah oui, pour l'envoi, j'imagine. D'accord. Mais il y en a un nombre limité, tu me le confies. Je pense, d'après ce que j'ai compris. Alors, si je retrouve le jingle, on va pouvoir aller vers les news et rumeurs. Il dit oui. Ben, j'aime quand il dit oui. Ce brave... Ce, 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 cet ami Quentin. J'allais dire ce brave Quentin. <laughs> à 30... Bon, ce pas la boîte de lancement. Alors, on se retrouve... Euh, et ça se précise pour AOS V4. Hein, pour info, il y a eu encore un petit teaser là-dessus. AOS V4 sera... Euh, en mode Scaven, ils seront à l'honneur. Ce sera sans doute d'ailleurs euh, dévoilé dans deux jours lors de la révélation Games Workshop. Mais pour aujourd'hui, on va aller d'abord du côté euh, de Warcry qui euh, nous propose, pour la dernière bande Warcry qui, euh, bah, qui sort là, qui était en précommande la semaine dernière, si je ne me trompe pas, en réservation la semaine dernière. Et bien, je, comme il l'avait annoncé d'ailleurs. Les War Scrolls ouais. sont disponibles pour AOS, pour cette bande de Zandara Grave Breakers. breakers pardon, et le téléchargement est gratuit. Donc vous pouvez y aller directement sur le site de Warhammer Community, rubrique téléchargement. Et je pense. Alors ça, ça c'est pour Warcry, tu dis Alors ça, euh, pardon. Donc ça, c'est une, une bande Underworld qui peut jouer à Warcry, du coup. C'est ça qu'on dirait Alors elle peut se jouer à AOS. Et je pense qu'avec les règles OS on doit pouvoir jouer à Warcry, et j'en suis... je... Non, là, pour l'instant, c'est Non, je sais pas, pas j'ai... Juste... Oui, ça, c'est pour le... C'est pour ouais, c'est Merci à fabri 14 h qui nous fait un don de 10 euros, et j'arrive sur le live, je vois deux momies, et je me dis, tiens, encore des sorties The Old World, mais en fait, c'est juste Phil et Manu. <laughs> tout tout ça pour sortir sa connerie. Euh, non, mais, non, mais bon... <laughs> on va reparler de... Enfin moi tu sais du moment qu'on me donne des sous, hein. je suis vénal. Non, mais... Qui aime bien châtie bien mon cher Quentin. Ça fait longtemps, hein. ça fait longtemps que je l'ai pas vu Quentin. Je l'ai pas eu au téléphone depuis un moment aussi, faut que faut que je l'appelle. Euh... Donc oui, c'est pour AOS et euh, bien souvent d'ailleurs, euh, il y en aura, euh, il y aura sans doute des warscroll pour Warcry. Souvent quand ça sort pour l'un, ça sort pour l'autre. Euh, pour information, pour les avoir en français, c'est pas compliqué. Vous allez dans la version euh, ben, download. Vous allez donc là euh, pour Warhammer et of Sigmar en français. Et normalement, assez rapidement, vous les aurez. Évidemment, quand on se lance dans un truc comme ça et qu'on l'a pas préparé au départ, c'est toujours là que ça déconne à mort. <laughs> Normalement, vous allez là. Et là. ce on c'est euh... pas le bon site. Hein. C voilà, c'est là. Les bon. pilleurs de tombe de Zondara <laughs> en français. Ouf, on est sorti. Vous noterez qu'il y a toutes les bandes hein, et, et, et bien, et bien, bien plus encore, bien plus encore, pardon, euh, ouais, allez, Je euh... suis d'accord avec Ben parce que, en fait, des fois, c'est un tout petit peu dommage qu aient... alors que, que les bandes il euh, n'y a pas assez de figues, peut-être. Tu me diras. Pour Warcry, il y a plus de figues, normalement. Ah oui, Pour mais. Ça, ils ont pas fait. Écoute, mais bon, c'est dommage. On peut regarder 5 hein minutes. On va regarder. On va regarder parce que j'avais remarqué qu'ils avaient quand même sorti, même. Euh... Tu vois Les sauveurs, là. <coughs> Les sauveurs. <coughs> de vrais. <coughs> c'est ça c'est la bande, C'est ce qui est sorti pour AOS, la petite boîte qui va sortir. Oui, c'est pour City of Sigmar même. Oui, c'est ça, c'est une City of Sigmar tout à fait. Et donc à ou Et alors après, là où c'est un petit peu difficile, c'est que parfois ce sont là dans ce que vous avez là, Champion des bois noueux, les choses comme ça ou les City of Sigmar que vous allez les trouver. Ouais, exactement. C'est pas facile de les retrouver. Euh, il faut presque tous les télécharger et chercher, et chercher euh, un par un. C'est pas évident. Mais euh, ils y sont. C'est gratuit. C'est en français. On va pas, on va pas non plus euh, se plaindre. Alors ensuite, au niveau des informations qu'on a eues aujourd'hui, euh, petite chose pour que, 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 que j'ai remarqué. On, on va y revenir de toute façon juste après, mais on nous parle de euh, l'arcane journal, voilà. Alors c'est, il nous explique que donc il y a un arcane journal, que dans cet arcane journal il y aura différentes choses dont on va parler après. Mais je, je descends tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et là. Il y a un petit truc que j'ai lu quand même sur les deux dernières phrases des invités dans, ce, dans, cette, dans cette interview. Donc il y a Dani et JT2, JTY. Alors, Dani dit, le jeu a été incroyablement bien reçu. Donc, il confesse un peu qu'ils ont été pris, pris de court. Et c'est formidable qu'il y ait autant de passion. La portée du projet s'est élargie. Donc, la portée du projet s'est élargie. Alors, soyez patients avec nous. Ça a de dire, euh, ils nous en ont remis sur, la, sur le bureau. Et euh, son acolyte dit, euh, nous avons prévu des livres pour les prochaines années, pour les prochaines années expurgées. Donc ça, je, les prochaines années expurgées, je pense que c'est les armées expurgées. Nous avons toutes euh, ces donc planifiées, blablabla, blablabla. Bla, bla. Nous réintroduisons le monde et le décor au cours de neuf, des, neuf, des neuf journaux arcaniques. Donc ça, c'est ce qui était prévu. Une fois cela fait, qui sait Donc, il laisse en gros, alors qu'il y a quelques mois, quelques semaines, il disait de toute façon, il n'y aura rien de plus, ce pas la peine de nous tanner, euh, les, les machins légendaires, il n'y en aura pas, euh, il n'y aura pas d'autres figurines, blablabla, bla. Là, ils sont quand même... En train d'entre ouvrir, ouvrir la porte, je pense, euh, parce que, comme c'est dit, la phrase euh, du haut, le jeu a été incroyablement bien reçu, et ça, vous savez, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Alors, on va pouvoir passer maintenant à la suite, à savoir, eh bien, euh, les <laughs> si j'ose dire, les réservations de la semaine, mon cher Manu. Et là. C'est là, me... là que je me tire, j'avais dit. <laughs> C'est qu'on coupe. Putain. Alors, mon cher Manu, euh... avant toute chose, je te laisse la parole parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire de ce côté-là par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, je pense, et puis peut-être cette semaine. Ouais. Veux-tu nous en parler Alors. Euh, je te laisse la... je te laisse le. J'te ça laisse me ça fera moi. au moins mon truc, ça me fera au moins mon petit truc à dire ce soir, mon petit truc bon enfant. Alors, du coup, j'ai changé de commercial. Il y a, comme je vous avais dit, il y a une semaine et demie. Voilà. Donc, euh, encore, euh, bon, Je ne sais pas comment on va bosser. Au début, j'ai trouvé que c'était pas mal. Puis après, je me dis, euh, euh, peut-être qu'elle travaille chez EDF, tout ça, je vais voir. Mais après, je me suis dit. Euh, à chaque fois, il y a le même problème. Le même problème, c'est le fait de quand euh, ton commercial n'est pas là, je l'ai déjà, je déjà ren je renvoyé l'info plusieurs fois, quand ton commercial n'est pas là, il euh, n'y a pas de retour. En fait, tu es tout seul, voilà. Et je me suis fait niquer aujourd'hui et je me suis fait niquer vendredi. C'est-à-dire que j'attendais mon message tranquillement pour pas trop faire chier le monde non plus. Le problème, par le bah, elle parle espagnol en plus, ma nouvelle. Et des fois, quand elle me dit, tu comprends je n'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit. Alors on va recommencer à zéro. Tu as combien de boîtes pour moi Je ne comprends pas. Donc je ne sais pas si elle fait exprès pour me dire, tu verras bien. tu vois non, Elle est gentille, mais en plus, Alexis me dit, tu vas voir, elle est super gentille, elle est espagnole, elle parle très bien français. Elle pas au téléphone alors. Et en fait, donc, je me dis, euh, voilà. Donc le problème, c'est que en général, quand le commercial n'est pas là, là, je panique toujours un peu le lundi, c'est que ça re tu reçois un mail automatique en disant euh, votre personne n'est pas là et votre personne n'est pas là et donc euh, euh, ça va être repris par, le... par, euh, par quelqu'un d'autre. Et quand c'est comme ça, normalement c'est par pris par grand monde, tu vois. <laughs> et ton mail il y passe après, puis t'attends, puis t'attends. Et en fait, euh, vendredi avec Julien, on attendait, on attendait, bon, on bossait, on revenait, on attendait. On a un tout petit peu zappé la fin d'après-midi, fin, fin, fin. On s'est regardé, on a dit mais on n'a pas eu de coup de fil, putain et tout. Alors on, a, on a... j'ai foncé écrire des messages qui étaient encore à l'heure, hein, qui étaient encore, euh, je n'ai pas, écrit à 19h30, tu vois, pour demander euh, où en étaient mes boîtes, que peut-être j'allais avoir pour la, la boîte des croûtes là, de, 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 voilà. Et euh, et j'ai pas eu une nouvelle, j'ai eu personne, personne m'a écrit, personne m'a parlé. J'ai eu zéro retour. J'ai envoyé en plus pas qu'à elle en fait, ce que j'ai envoyé aussi, j'ai deux trois mails d'autres commerciaux qui s'étaient occupés de moi pendant les remplacements que je me suis gardé de côté donc j'ai envoyé en disant j'ai pas une nouvelle de la part de de Misskin machin nanana paf et voilà et au final dans le cul pas de nouvelles j'étais en pétard oh, j'ai dit c'est pas possible d'être traité de cette manière même pas un coup de, tu vois même pas un coup de, je veux dire même pas un coup de téléphone moi bon, désolé t'auras pas de t'auras pas de boîte mais oh, j'étais dégoûté je suis dégoûté quand c'est comme ça vraiment pour, pour plusieurs choses parce que euh, moi, j'ai ma liste d'arrivée de, de, des gens. Je me dis, bah, eux, ils arrivent après. Il y en a même qui sont passés au magasin en me disant, euh, euh, t'en auras pour moi. Je dis, bah, si j'ai du retour, t'en auras. Enfin, si j'ai un suivi d'autres, t'en auras. Sinon, t'es pas le premier. Enfin, blablabla. C'est pas marrant comme sensation. C'est nul à chier. Donc, euh, donc je si je viens, bah, vas-y, on voit le mail en disant bah, bah, Un tel aura pas et un tel aura quoi. Je peux pas faire autrement. Donc euh, après c'est pas trop mal pris, c'est plutôt bien pris. C'est plutôt bien bien pris. Les gens sont, je, je sens un peu certains, certains, qui sont un peu dégoûtés en disant merde ouais et tout machin en disant tu peux pas niquer un autre. Non je rigole. Tu pas, pas ça. <laughs> tu peux me filer la boîte. T'as pas l'autre j'aime pas. C'est pas qui c'est l'autre. On s'en fout toi non plus. File-moi la boîte. Non mais je pas me filer la boîte, un... pas, <laughs> fout, la boîte. Non, mais... de Kevin s'il te plaît. <laughs> ouais, c'est ça. <laughs> <laughs> tu vois, donc euh, bon voilà, j'étais un peu dégoûté pour deux en plus qui euh, est là d'ailleurs. Euh, et j'étais un, un peu un peu énervé quoi. Un, peu, un peu boudeur. Et donc j'ai dit, tu vois, lundi, je vais envoyer mon. j'ai envoyé un message en disant que j'ai pas une nouvelle, tout, toujours pas de retour. Et ce matin, ah putain, ce matin c'est le pompon. J'envoie mon message de bonheur, Je prends des sets d'armée. Je prends deux trois trucs. Voilà, tac, je fais mon, ma petite liste. Et bing, j'envoie. Déjà, j'attendais mes prix. Et puis, quand j'ai vu tout ce qui sortait, j'ai dit... Alors, il y a aussi l'autre truc dont on parlera peut-être après ou maintenant, parce que de toute façon, c'est... La... On en parlera après, euh... quand, quand ça va arriver. Ouais, si tu veux. Et... Et donc, voilà. Et donc, euh, je vois que j'ai toujours pas de réponse. Et je suis en train de me dire qu'en fin de compte, ma commerciale, bah, elle est pas là depuis vendredi, en fait. Et je pense que... Je ne je, je sais pas si j'aurais pu avoir d'autres... D'autres boîtes. Mais une chose est sûre, c'est que je me suis dit, soit ils m'ont ils passé à la ils ils trappe le truc en disant, bon, il ben, n'y a pas de boîte, on va, on va appeler que ceux qu'on auront, je sais pas, je, bon, voilà. Mais je crois qu'ils m'ont zappé. Enfin, je veux dire, euh, voilà, il n'y a pas eu de retour, il n'a peut-être pas fait son taf de dire, je suis malade, euh, donc voilà. Et j'ai pas de mail de retour en disant, euh, voilà, qu'on s'occuperait de moi. Et ce matin, pareil, donc j'envoie un message, Hop, 9h30, bing. Il me faut euh, un million de boîtes. Bon, c'est pas vrai, là-dessus, je me méfie quand même. tu vois. Donc, j'envoie quelques boîtes. Bon, pas de nouvelles. Midi, pas de nouvelles. J'sais, ah, ça pue, ça, ça sent pas bon. Et je voulais pas envoyer un message aux autres en disant, bon, bah, elle recommence, elle répond jamais, miskin, est-ce que vous pouvez prendre là Tu vois, je lui dis, je voulais pas la foutre. Euh, la bienveillance fait que je voulais pas l'emmerder dans son travail en me disant, peut-être qu'elle est dans le jus et que euh, on est lundi, tout le monde. En... Enfin, tu vois, donc, j'ai dit, vas-y, sois cool. Ah, mais ben, je, je dis, bon, allez, tant pis, te... une heure et demie, j'envoie un message à l'autre. Salut, je n'ai pas de réponse de, de Célia. Est-ce que tu peux me mettre ça de côté Ah oui, effectivement, Célia est malade. Ah ta mère. <laughs> et euh, il me dit ah, C'est oui. bon, je t'ai tout mis de côté. <laughs> bon, c'est cool. Tu sais, je vois tout mis de côté et il y a marqué en dessous Sauf. Ah le sauf. <laughs> Les deux trucs que tout le monde avait réservés le set d'armée et le journal arcade. sont déjà en rupture. Et t'es une heure de l'après-midi. Je dis Non. Oh putain J'appelle Juju, je dis Juju, t'as vu? Il me dit ouais et tout. Bon, enfin, bon, voilà quoi. Donc, euh... Donc je n'aurais pas. Donc, après, il y en a qui m'ont écrit en me disant tiens, ça a été bloqué pour, pour réserver. Je fais comment? <laughs> tu vas voir ailleurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? <laughs> je peux rien faire. Donc, voilà. Voilà euh, ma fin de semaine et, et mon début de semaine. Donc, j'attends quand même euh, mercredi pour ma commande pour euh, euh, toucher deux mots à ce, à ce, à ce fonctionnement euh, de la part de Games qui commence à me péter la nuit parce que. J'achète quand même pas mal de trucs chez eux et je vais leur demander c'est quoi le niveau qu'il faut avoir, est-ce qu'il faut s'appeler couilles ou, euh, ou je sais pas quoi pour euh, qu'on vous déroule le tapis rouge. Euh, surtout qu'ils me disent que dans bientôt, bientôt, et c'est dans pas beaucoup de temps, euh, je passerai un peu chez les plus grands. Mais en attendant, j'ai l'impression qu'il y, y, y a le grand... Enfin, soit soit c'est du flanc comme marketing, commercial ou ce que tu veux. Mais je me dis c'est le grand fossé, c'est le grand canyon, c'est pas possible de... Euh, d'être traité, traité ou, ou qu'il soit incompétent à ce point-là euh, pour euh, ne pas avoir de boîte, pas de passer un coup de fil, enfin je sais pas. Je sais, mais en tout cas voilà, c'est bosser comme ça. Ce matin j'étais euh, voilà, c'était pour vous dire ça, j'étais un peu vénère. Un un Rassure-moi. Euh, par contre ton nouveau, ton nouveau, ton nouveau truc avec tous les bouquins là, par contre ils te l'ont bien fourgué, il est arrivé celui-là. J'en ai plein de livres. Ah, ça marche bien les livres, ils sont contents les gens. Oui, les gens sont contents, mais enfin, ça, tu parlais de marketing ça, pour facile. le coup. Euh... Eh oui, c'est ça. Voilà. Non, mais enfin, moi, ce que, pas... ce que je ne comprends pas, c'est que. Euh... Euh... J'en parlais à Damien. On en a parlé l'autre soir euh, pour l'histoire de... De... de la Solar Oxila, euh... C'est comme ça qu'on dit. Et... Et... Et on en parlera après quand elle va arriver. Mais il, il m'envoie un message. Il me dit Ils font quoi là Je dit bah Moi, je ne sais pas non plus. Quand j'ai vu les sorties dimanche, je lui fais. fait. Euh... Il se, fout, il se fout juste du monde. Je ne comprends pas ce qu'ils font. C'est incompréhensible aussi, ça. Je le dirai après. Ça fera un petit blanc ouais. sur l'histoire de la alors, boîte. Juste pour revenir là-dessus. Donc, le 7 d'armée. Merci, ignoble Mr. D, qui nous fait un don de 10 et qui dit Manu Al Capone disait toujours On obtient plus de choses en étant poli et armé qu'en étant juste poli. C'est vrai. <laughs> vrai. vrai. Ça c'est tout à fait exact. Après le problème c'est que même... Euh, bon, euh, aller euh, en Angleterre pour galer encore ça pourrait se faire mais... Quoi qu'avec le passeport, c'est compliqué. Mais, euh, mais aller, euh, <laughs> aller en Espagne juste pour ça, en plus, je ne sais pas où c'est. <laughs> ce sera comme quand euh, on allait euh, à l'adresse post-restante, on pensait que c'était Games Workshop, tu sais, parce que c'était marqué derrière les White Dwarfs. C'était en banlieue, ouais. mais, mais en fait, il n'y avait rien, il y avait juste des bureaux. <laughs> Alors, donc juste pour euh, résumer, là, on a sous les yeux le set d'armée et Goblin. Donc 130. 104 euros pour les tipeurs de la chaîne, je vous rappelle, moins 20%. Moins 25% si vous êtes le Wargamer du mois. Et il y en a même plusieurs ce mois-ci. Bravo là, à eux. Moins... Et là, moins rien du tout, d'ailleurs. Et là, moins rien du tout. C'est-à-dire que là. Euh... J'en ai pas. T'en as pas. Et si t'en as, bah, tu le mettras sur le site et ce sera samedi euh, que ça viendra. Euh... Ah mais j'en aurai pas. J'en aurai pas. pas. D'accord. En, en fait, il m'a dit, c'est en rupture, c'est déjà en rupture. Pour nous, les revendeurs. Je suis arrivé à... Ouais, il n'y a pas une heure, mais il est à une heure de l'après-midi. Et, et on a reçu les tarifs à 9h30 le matin. D'accord. Bon, Ils ont bah, fait écoutez. Boîtes, en fait. Pour les amateurs des orques... Sachez qu'il y aura bientôt une vidéo sur la chaîne pour vous montrer comment vous faire une, ar une armée orc avec des figurines d'autres, euh, notamment des figurines AOS ou autres. Euh, enfin c'est une armée gobelin, mais bon, ça pourra peut-être au moins vous arranger le coup. Euh, et puis voilà. Et donc euh, dans, le, dans le format notamment patrouille frontalière donc euh, bah, on va pas en parler puisque tu ne l'as pas euh, cette boîte euh, Ben bah, on ne va pas le faire le plaisir de dire aux gens tiens tiens est, elle est formidable vous ne pourriez avoir plein de trucs mais vous avez rien donc euh, ensuite euh, on a un boss orc alors le boss orc euh, ouais, ouais. celui-là a... alors ce qui est très étonnant c'est que celui est en résine et celui-là tu l'as ouais mais il va, il va pas être en résine là si, c'est de la si. résine Forge World. D'après ce que dit Warhammer Community, il est en résine. Alors, si c'est une résine Forge World, je peux pas l'avoir. Donc. Euh... c'est, Moi, de mon avis, c est, c est, je, je pense que c'est une figurine en plastique. Je le demanderai euh, au cas où. Je le demanderai euh, oralement, là. Une... Voilà. Alors, ensuite, et cela bon, dit, la figurine est sympa, et puis au moins, c'est une nouvelle figurine. Ouais, elle est, sympa. Donc, euh... ouais, il est beau. Ouais, voilà. J'aime bien, moi, lui. Donc le journal arcanique, bon ben tu ne l'auras pas, ne vous inquiétez pas, euh, la communauté du Warfo et la communauté francophone fera sans doute euh, la traduction et on devrait pouvoir l'avoir par d'autres canaux. Alors moi ça m'a bien fait marrer parce que quand euh, j'ai entendu ça ce matin avec Manu, et eh bien en enfin, début d'après-midi quand on s'est au téléphone, et euh, eh bien euh, je suis allé voir sur le site de Games et il y a marqué que euh, ce arcane journal sera disponible en e-pub si vous voulez, hein. donc <laughs> ça c'est le, le truc qui m'énerve le plus mais euh, vous ouais, vous voulez pas la, le truc dématérialisé euh, non on veut des livres connard sinon euh, voilà sinon vous avez qu'à les vendre sur euh, sur Steam pendant que vous y êtes alors euh, les boys orcs donc ça c'est les 31 une figurines orcs euh, exactement les mêmes qu'il y a dans le bataillon ça. Ouais c'est ça Voilà euh, On est quand même sur, sur des prix qui peuvent être un peu Qui peuvent être un peu Qui peuvent être, paraître un petit peu élevés Mais On a 31 figurines pour 62 euros Donc 50 euros si vous êtes tipeur On est à moins de 2 euros la figue Quand même ce qui est, euh, parce que j'entends beaucoup sur, euh, à droite, à gauche dire Ouais, uh, The old World, fait chier, c'est cher, machin, se faire une armée, ça coûte la peau du derge, oh. machin. On est à moins de 2 euros la figurine. C'est-à-dire que, euh, même par d'autres biais, c'est compliqué de descendre en dessous quand même. Hein. Euh, euh, je veux dire, euh, vous avez une imprimante chez vous, euh, au prix de la résine, euh, je suis même pas sûr que vous descendez à 2€ la, moins de 2 euros la figurine. Donc euh, voilà. Ouais, eh, non, non, arrêtez conneries, n'importe quoi, c'est trop cher. T'es euh... fou. Bon allez, attends, faut que j'aille m'acheter mes trois mulettes, mes, mes trois Mutalix Vortex pour, euh... pour ce week-end. attends, bouge pas, attends, je reviens. <laughs> pour samedi. <laughs> Parce qu'on m'a dit que c'était bon. <laughs> Et elle l'a dit, merde, c'est plus méta. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre Oh non, j'en ai marre, c'est cher, si on le Alors, euh, les dés, alors là, pour le coup, ça, c'est cher. Je, je... Hein, désolé, mais ça, c'est ce que. <laughs> voilà. Euh... Mais ceux-là, ils sont beaux. Mais ceux-là sont beaux, et surtout, il y a <laughs> dedans des dés spéciaux. Et ça, c'est toujours pratique, c'est-à-dire les dés de déviation, euh, notamment. Euh, qui sont euh, qui sont nécessaires pour jouer donc euh, effectivement au moins c'est des dés spéciaux c'est pas euh, des 20 dés lambda euh, euh, et il y en a 20 non, en plus dedans de mémoire ou 10 je sais plus je sais plus non en ai 20. 20 donc euh, voilà sinon ça fait une petite boîte plate là quand tu regardes l'image ouais c'est le détourage qui est pas bien fait là là, là. <laughs> c'est ça la baguette magique elle marche pas Alors avant de passer à la suite Je vais quand même retourner Sur le site euh, de Games Et euh, parler avec vous pour vous montrer Pour faire le travail correctement euh, De euh, ce qui sort quand même Et de ce que vous allez pouvoir Prendre directement Sur le site de Games en euh, mail to order Sans doute Alors vous avez euh, L'orque Warboss sur Viverne Alors là je ne comprends pas cette figurine euh, déjà à l'époque, je la trouvais moche. Dans De mémoire, la viverne était en plastique. Et là, il nous explique ils nous expliquent qu'ils ont changé le moule, qu'elle est plus facile à monter, que les ailes sont en plastique. Euh, D'accord. Bon, moi, euh, personnellement, cette figurine, je la trouve moche. Et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas réédité celle-là. Qui est certes plus datée, mais qui, pour le coup, je trouve, est vraiment plus charismatique. Je sais pas, tu, tu l'as en plus celle-là ah, ouais, Moi je l'ai bon. fait, oui. Mais elle est en plomb celle-là. Oui. Je ne le tenais pas et je n'arrivais pas à la faire tenir comme il faut. Mais quand même, elle est, elle est plus charismatique, je trouve, que, que celle-ci. Là, là, là. Déjà, elle est mieux peinte. Ça commence par là. Non-fil, le corps a été en plomb. D'accord. Merci. Comptie. pas retrouvé le moule. Belle euh... d'Azak de M. Oh, ouais. ouais. Moi, j'étais. Qui est... Qu est arrivé après, ouais, je pense. C'était plus classe, ça. dit. Alors, ensuite, on avait, on a la, troll... la sorcière Troll. Alors, celle-là, par contre, pour le coup, c'est une figurine for... Forge Ward absolument magnifique. Donc, elle ressort. Elle est... elle est vraiment magnifique. Elle est terrible, quoi. Elle est vraiment charismatique. Ensuite, nous avons. Euh, un ensemble de commandements orques et gobelins de la nuit. Donc là encore, c'est du Forge World, résine. Donc cela, ils nous les avaient montrés. On voit ici un, un tueur de nain qui est là, là, un tueur de nains, un tueur de troll, pardon. Et ici des gobelins de la nuit. Définitivement, les gobelins de la nuit, c'est top charisme. <laughs> c'est vraiment génial. Ensuite, vous aurez, alors là, pour le coup, en plastique, donc euh, un chef orc que je trouve pas folichon, folichon. Puis pareil, la peinture, je ne la trouve pas exceptionnelle. Euh, sur euh, un bah, cochon. Le, mar le marron n'est pas beau, quoi. Bah non. Il devrait demander à Manu. Je, je, je commence à être bon en marron. <laughs> pas aussi bon qu'en vert, mais enfin. Et, euh, et un porteur de la grande bannière. Ici. Deux minutes <laughs> Et euh, vous avez donc bah, ceux qu'on a vus qui sont juste à côté. Bah, ceux qui viennent, euh, qui vont sortir. Vous avez des sorties en métal avec euh, ben, le fameux chaman orc qui va ressortir en métal. Alors celui-là, ça va être comme, euh, je suppose, comme, euh, comme Sinople. Hein, C'est-à-dire euh, 11h mis en vente, 11h5, il n'y en a plus. Merci, au revoir. Et puis, euh, et puis vous avez trois orcs euh, ici qui ont euh, des... Des Big, des big command Orcs. Alors, je ne sais pas pourquoi ils les ont retraduit. C'est comme les Kikoups, ils ont retraduit ça en Choppa. Je trouve ça débile. Et puis, euh, des, orcs, euh, des Orcs en métal. Là, là, on est sur du métal. Et puis, après, euh, les Gobelins classiques en métal et plastique. Alors, en métal, hein, les, quand ils disent plastique, c'est surtout les montures. Donc, euh, nous savons quelques... Moi, je veux les assassins. Ouais, il y en a. Non, non, Je savais pas que ça existait, moi. Attends, on arrive dessus. Là, les petits chamans, là, ils sont super classe. C'est des belles figurines, ça, quand même. Celui-là, là, il est incroyable. Celui-ci, là, il est vraiment bien. Il y a vraiment des belles figues, là une espèce de chaman encore il euh, ouais, c'était vraiment sympa après euh, quand on recommence à travailler du métal euh, on se rappelle à quel point c'était pas terrible mais voilà là c'est des gobelins sur loup et les loups normalement sont en plastique ça va encore ceux-là ceux-là ça Je va parle. et les assassins mi-assassin mi-Batman mi, -assassin, mi, -Batman, mi euh... <laughs> là ceux-là ils sont vraiment super Les gobs sont plus réussis que les orques. Oui, ça a toujours été euh, Mister D. Ils ont toujours eu plus de personnalités, paradoxalement. Oui. Sauf peut-être les tout premiers d'une boîte euh, que j'ai. des de Toutes premières boîtes. Et ici nous avons le classique euh, Char gobelin. Ils m'ont parfait, mon gros me la pense. Non. Mais tu l'as. Pas pour l'instant en tout cas. Non. Tu... Non, Je l'ai pas ici, alors ceux-là ils les ont ressortis, ils sont vraiment classe et donc ils vont les ressortir, pardon, en mail to order. Les cinq ogres qui sont vraiment super classe, beaucoup plus beaux que ceux qu'on a eu en V8. Bah, moi je trouve, hein, tu sais, que par rapport aux ogres d'aujourd'hui, il y a quelques ogres jolis, mais par rapport aux ogres qui sont un peu vieillots, et ben bah, ceux-là qui sont encore plus vieillots sont encore plus beaux que ceux de. Ah ils oui. faisaient vraiment ogres, franchement ils faisaient euh, les pantalons à la Obélix et tout ça, j'adore Ouais, ceux-là, ils sont vraiment classe. Quoi. Ils sont plus menaçants aussi. Alors, les deux trolls de pierre qui sont là. Alors, qui ne sont pas les plus anciens. Et sur la plupart des, des, comment, <coughs> des, des publications, ils montrent les autres trolls de pierre qui sont plus anciens encore. Donc, on peut supposer qu'ils vont ressortir. Euh, du Snotling, euh, en veux-tu, en voilà. Bon, ça c'est pas folichon, sachant qu'il y a ceux qui étaient dans les boîtes d'ogre de la V8 qui sont plus sympas. Le chariot à pompe. Je me rappelais plus qu'il était comme ça. Non. Chariot à pompe. La catapulte. Euh, la baliste. Et les plongeurs de la mort qui ne sont pas là la première version la toute première version des plongeurs de la mort moi je les ai ils sont pas comme ça non ils sont pas comme ça ça c'est la 2 de... ouais. ça doit être une autre version ça va celle-là oui ça ça va mais bon après c'est pareil ça va être la croix la mani... la croix et la bannière pour les obtenir les plongeurs les plongeurs de la mort d'avant c'est un élastique tu sais c'est un ouais, un vie, sais, euh, ouais. genre de lance pierre tu sais c'est une machine tu vois c'est pas pareil ça. Euh, L'ancien modèle des chariots était plus drôle. Oui, tout à fait, Hache euh, le Gentil. Et c'est ça, c'est 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 Tu sais, eh bien, ce que, que j'allais te dire, c'est que <laughs> tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, cest que quand toi t'as dit « J'aime pas trop la Wyvern qui là, je préférais l'ancienne et tout as », t'as remarqué que le, leur côté... Aujourd'hui, le côté réaliste des figurines, euh, elles envoient quand même du... Elles envoient du pâté. Elles, ouais. elles sont vraiment belles. Difficile d'en revenir beaucoup en arrière avec ce qu'il y a d'aujourd'hui. Mais l'intermédiaire n'est pas terrible. Non en fait, parce ils que ont rendu c'est pas, pro... pas plus proportionné non c'est et en plus de ça c'est une période où Games faisait pas des belles figurines c'est une période où aussi ils avaient sans doute perdu euh, certains euh, de leurs meilleurs euh, sculpteurs c'est la c'est pas la meilleure <laughs> excusez-moi je je tousse là j'ai du mal à respirer euh... <laughs> c'est pas la meilleure période de des figurines Games je trouve et ils ressortent pas les plus les plus charismatiques ouais. si vous voulez c'est un petit peu comme le Commissaire vous avez la première version du commissariat qui a été faite par Jess Goodwin la deuxième version est bien aussi mais la première version avec le temps en fait elle est plus jolie elle est plus charismatique et elle est plus euh, voilà elle est mieux quoi tout simplement ça me fait penser au au Ford Mustang tu vois c'est pas euh, faux t'as les vieilles vieilles de Mors Mustang à son classe au milieu ils avaient une période en, dans les années 80 un peu chelou et les nouvelles, elles bah, sont hyper modernes, tu vois, donc ça fait un peu penser. Et personne ne veut les... celles du milieu. Ouais. On dirait. C'est ça, non, mais c'est totalement ça. C'est un peu la même chose pour les elfes noirs aussi, quoique. Euh, mais... Euh... Bah, typiquement, par exemple, Teclis, il a plusieurs versions. Il y a la toute première version des années 90, la version des années 2000. Eh ben, la toute première version, elle est beaucoup plus classe que la version intermédiaire. Même si à l'époque, la version intermédiaire paraissait plus moderne, avec plus de mouvements et ainsi de suite. Mais voilà, les <coughs> les Renault Fuego de la figurine il ne faut pas exagérer. Bah, c'est comme les géants là, qui arrivent. Là. Pareil. Pareil. Alors pour le coup, par Parce contre, que les géants. La la et... Tam, il, a, il a posé un... le vieux géant avec son tonneau, tu rappelles ouais. Il a posé sur Insta comme ça en disant qu'il allait le faire, on dirait. Et euh, là, par contre, ceux-là, je, je les aime pas du tout, les deux. Non, d'autant plus que là, pour le coup, les géants dont ils se servent encore pour, euh, pour Awas d'ailleurs, les géants de la fin de la V8, ils sont vachement plus sympas et ils sont en plastique. Donc, euh... ça, moi, pour moi, ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont tapé à côté, là. Bah ils oui, ont... un complot. Tu te moi... rends compte, là, le géant. Il y a une tête de singe, déjà, le géant, pas une tête d'homme. Euh... Il a piqué euh, des trucs partout. Non, il, il, il manque de tout en fait. Ils ont dit euh, non, il manque de tout. Il manque de tout. Ah ouais, c'est pas ouais. Euh, et donc on passe, on retourne, on, le match. Et on retourne du côté donc euh, des sorties euh, et des réservations de cette semaine avec 30 k. Donc pour finir sur les orques c'est pas euh, voilà c'est moi ça, je, je, je tombe pas de, je tombe pas de ma chaise et ça n'a rien à voir avec euh, euh, avec ce qu'on a pu euh, connaître pour les rois des tombes et les bretoniens et, les Bretonniens. et euh, de ce qu'on a pu voir des, des des nains pour le coup les nains ça va être plus intéressant après si on peut pas avoir les boîtes euh, ouais c'est compliqué quoi parce que même avec la meilleure volonté du monde euh, voilà si tu peux pas jouer parce que t'as pas les boîtes euh, il n'y a plus de livres de règles en français, il n'y a plus de livres de règles en anglais, il n'y a plus de machin arcanique, il a plus de machin... Bon, allez, oh, ça va là, on peut... Non, mais euh... le, 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 le truc que je ne comprends pas, euh... d'ailleurs tu es jour, le dernier que je connaisse à avoir, des, à avoir un, enfin sur un magasin euh, en ligne, à avoir le, le livre en, euh, sur, sur le site de Games, le livre en français, il est, il est en rupture, hein, et il y a même le livre en anglais, alors que toi tu l'as encore. Je dis ça je, parce que j'ai vu sur euh, Facebook des gens qui cherchaient. Donc, euh... Alors, soit ça veut dire que j'ai été bon, soit ça veut dire que personne n'achète rien. Enfin, je veux dire, c'est <laughs> pas là où je, veux revenir, <laughs> mais... je pense vois? que c'est parce que t'as as été, bon. été bon. T'as été bon. En fait, je pensais. <laughs> non, non, je discutais de ça avec Damien l'autre soir. Il m'envoie un message. Il me dit Putain, les bâtards, ils il délotent déjà. Euh, alors, je vais rassurer plein de monde d'ailleurs, là, pour une fois. Enfin, pas une fois. Je rassure plein de euh, monde. je viens de recevoir à midi euh, toutes les, le reste des boîtes ah. de euh, la, la Solaroxyl. Cool. Parce qu'en en fait, c'était pour le 16. D'accord. Le truc de ouf, j'ai pas encore le temps d'envoyer mes boîtes. La gueule, toi. Surtout que c'est marqué sur le site, comme j'ai dit l'autre jour à partir du 16, qu'on peut envoyer, et après. Bon, là, ils m'ont fait du après, alors au lieu de samedi, c'est lundi, bon, et demain, moi, j'envoie toutes les boîtes à tout le monde, il m'en restera peut-être une ou deux ou trois, je ne sais pas comment il va m'en rester, on va voir, j'attends de voir ce que je vais voir et, euh... et... et, bah, et c'est vrai que j'ai vu popper ça, moi, franchement, dimanche, dimanche ça m'a un peu gavé euh, qu'ils nous sortent ça, parce que euh, si maintenant... Les boîtes euh, qui contentent les gens euh, une semaine après euh, euh, on... sont déjà en train de se déloter. Enfin, je ne vois plus l'intérêt. Et Damien il me disait un truc qui était, qui était, je trouvais juste de sa part. Euh, il me dit, putain, moi je voulais mon tank. Et on t'avait parlé des tanks, les Man Russ, Malkador oui, et tout oui, ça, là, pour oui, oui. ceux qui kiffent, que moi je. Voilà, c'est pas mon truc, mais bon ouais. ouais. Et je comprends ce qu'il veut dire. Il n'a même pas reçu sa boîte. Il n'a même pas le temps de l'ouvrir, il n'a même pas le temps de regarder le truc qui sont déjà en train de lui faire, lui vendre, enfin lui dire, tiens, regarde, il a le malcador avec les trucs, si tu vois. Tu dis, les gars, ils sont des connes les gars. D'autant plus que je là... Ça évite mais bon. D'autant plus je que crois. là, c'est trois deux semaines de précommande encore, hein, comme d'habitude, hein, je crois, d'après ce que j'ai compris. Oui, ce que tu me disais tout à l'heure, cest que là, dans ce sera pour... Euh, oui, dans 15 jours. Ce sera là, pour dans 15 jours, 3 semaines, plus euh, l'envoi le et machin. Donc, en fait, c'est d'autant plus ridicule que... On est sur des précommandes des pré de deux semaines, minimum maintenant. Des réservations de deux semaines. Mais de toute façon, officiellement ça sort lundi prochain. Euh, officiellement ça sort samedi. Enfin. Officiellement, officiellement la précommande, ouais. c'est samedi prochain officiellement ah oui, le oui, début oui, oui. de la précommande samedi oui, prochain oui, vous avez oui, l'info parce que Warhammer Community la donne et parce que nous le, le lundi soir on vous la donne avec les prix le machin le truc après il n'y a pas que nous qui le faisons mais voilà nous on vous donne l'info là le faire mais... bien, si, bien c'est nous mais... ouais, c'est ça bon, <laughs> trois semaines, comme tu dis. mais en théorie vous devriez attendre samedi là samedi qui arrive là pour pouvoir savoir si vous pouvez en avoir ou pas on essaie de mettre en place un système comme ça bon voilà mais je vois pas pourquoi il y a 15 jours de précommande, puisque de toute façon, avant même la sortie, tout est vendu, personne ne peut en avoir, machin, truc bidule. Il y a un moment, il va quand même falloir mettre les, les barrotés, les points sur les i. Je veux dire, c est, c est, on peut se retourner le cerveau tant qu'on peut pour essayer de contenter les, les, les gens, pour les aider du mieux qu'on peut, pour aider nous aider nous-mêmes, hein, accessoirement aussi, hein, parce que en fait, ce qu'on fait pour les gens, on le fait pour nous aussi. Et, et, et là, ça devient. Euh, voilà. Ça redevient, enfin, je sais même pas si ça redevient. J'ai l'impression que c'est pire que ça n'a jamais été. Bon, et donc effectivement, comme je... tout est décalé, ils te, ils te, font du délotage. Et comme le dit Damien, je suis d'accord avec lui. As un... tu sens, il y a une boîte collector entre guillemets collector machin machin. Bon, il y a un peu le kiff d'avoir la boîte quand même. Je veux dire, euh, si c'est pour, enfin, euh, je comprends, je comprends ce qu'il veut dire. Ah, T'as pas le temps en fait. Alors, Alors attention, c'est pas très grave. Ce que je vais expliquer, c'est que je trouve pas très grave que ça sorte maintenant. Euh, pas plus que ça. Bon, voilà, tu peux. tu Voilà. Par contre, comme c'est dit là, il y a certains qui ont euh, voulu commander peut-être deux boîtes ou trois boîtes. Euh... C'est un peu bourrin d'ailleurs, mais je m'en rends pas compte. Euh, de qui. De, de, de la parce que leurs boîtes euh, font des économies euh, d'accord mais des fois tu te dis tiens pour avoir euh, un peu plus vite et tu sais pas comment ils vont redéloter les boîtes tu te prends la grosse boîte puis après tu te rends compte tout de suite après qu'ils ont déjà déloté de telle manière et de telle manière parce qu'on n'a pas les prix non plus à chaque fois du délotage on sait pas combien va être quoi on sait mais on sait pas donc euh, voilà donc euh, moi je trouve ça ouf hein, de, de de ouais je... Bah, je. suis un peu d'accord avec Kerzakoun quand tu vois le prix qu'ils ont mis dans leur site euh, internet qui est tout pourri, Il ferait mieux peut-être de le mettre dans leur logistique ou dans leur production. Mais bon, c'est toujours pareil. Hein, c'est. Alors bon. Non, c'est chiant. Quoi. Enfin, en tout cas, c'était pourri, quoi. Voilà. Donc. Alors, euh, je vais juste faire une un petit euh, une petite euh, euh, aparté entre guillemets. Je suis désolé, je reviens sur euh, Orchid Goblin Tribe sur l'arcanique parce que pour vous dire ce qu'il y a dedans quand même. Sachant que je vous le répète, vous pourrez les obtenir, je pense, par la communauté sur le Warfo notamment. Il y aura notamment deux armées euh, d'infamie. Une, et on, ça c'est cool parce que c'est ce qu'on attendait. Une armée, une wag nomade montée. Donc euh, <laughs> tout le monde sur loup, tout le monde sur cochon et, et ainsi de suite. Donc vraiment la wag euh, hurlante et machin. Et la deuxième, c'est une, une armée de trolls. C'est-à-dire que tu pourras faire une armée ah avec ouais. quasiment que des trolls. Et euh, par exemple, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'il y aura un personnage chaman. Gobelin qui se prend pour un troll et les trolls se croient que lui-même est un troll. Ils sont trop cons donc ils croient que ce gobelin est un troll. Et donc ils, ils sont guidés par le chaman. Donc ça, ça c'est génial parce que ça c'est Warhammer Battle quoi. Et puis ça c'est l'esprit euh, Games of qu'on aime quoi. Voilà c'est stylé comme tu dis Kerzakun. T'as ton armée de trolls et c'est un gobelin qui se balade et il dit je suis un troll. Ça je trouve ça vraiment génial. Alors, euh, on, on se lance donc dans l'hérésie euh, d'Horus. L'hérésie n'a jamais aussi bien porté son nom. Déjà déloté euh, l'infanterie auxiliaire avec 20 figurines dans la boîte hein, quand même. Hein, vous avez, euh, si je ne me trompe pas, on est sur 20 figurines. Là encore, euh, pour le coup, on est sur des prix qui sont quand même... Là, on est sur des toutes nouvelles figurines. Vraiment le dernier, quoi. Euh, on a 20 figurines pour 50 euros. Quand vous êtes tipeur de la chaîne, euh, on est pas mal. On est à moins de deux euros la figue. Enfin, on est à plus de 2€ la figue, mais on n'est on est pas très élevé, je trouve, que pour des figurines modernes. Donc, euh, ça, c'est cool. Et euh, full option en plus par rapport aux états-majors et autres. Le tactical Command, donc euh, là c'est pour faire euh, bah, vous avez l'habitude si vous avez si vous connaissez l'Astra Militarum donc là on est sur une vingtaine d'euros pour euh, cinq figurines de commande ça ça. oui ça va surtout que si tu prends euh, la même chose euh, du côté euh, cadien euh, c'est pas le même prix quoi et là euh, ces figues sont vraiment magnifiques on a les Velletari Storm Section donc là c'est les unités spéciales alors celle-là n'était pas dans la boîte, je crois. Elle n'était pas dans la boîte. Et elle nous avait été présentée et on et, et elle sort et là encore on a ce côté très old school, très euh, euh, série Z un peu, enfin euh, vraiment vraiment sympa côté film euh, film des années 70-80 de, de SF là j'aime bien et en même temps le côté Jules Verne et tout vraiment euh, super sympa. Nous avons donc le Malcador Evitank. Euh, bah, qui était, qui était dans, dans la boîte, je crois. Non, justement, non. Non, lui, non. Lui, non. Donc, avec euh, les trois options de tourelle. Donc, euh, un kit, trois options. Parfait. On est toujours sur Horus hein. C'est pas du Warhammer 40 000, hein. Bon, On le rappelle. Ici, euh, la première, euh, le premier kit de l'Eman Russe, puisqu'il y en a deux différents. Donc un kit tout nouveau hein, qui peut bien sûr. Alors mise à part que vous n'avez pas les tourelles sur les côtés, mais vous pouvez vous en servir à avoir un 40 000. Et le deuxième kit avec les, deux, les, deux, les autres options d'armes, pardon. Voilà. Quand même du, du Beau Matos. Le Dracosan. Donc le Dracosan, c'est le transport lourd qui permet de transporter 20 figurines. Là encore avec toutes les options. Et pour finir, la sentinelle lourde, avec rien de moins que six options d'armement dedans. Donc euh, bah, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir. Hein. C'est chouette ça. <laughs> ouais. C'est quand même pas mal. Après, il y a intérêt à mettre des aimants, quoi. Tac-tac. <laughs> ouais, ouais, je suis, je suis d'accord avec toi, Xavier. Je suis d'accord avec toi. Alors, ensuite, eh ben c'est fini pour, pour ce qui est euh, du tour de chez euh, Games Workshop. On a dit euh, ce qu'on avait à dire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Manu non. non, ils m'ont tué. Ils t'ont tué. Je t'avoue qu'ils m'ont un, un peu cassé les pattes aussi. Hein. Je, <laughs> Je failli dire, ils ont un peu cassé les, les pattes de derrière. Non, mais voilà. Euh... Ouais, c'est un peu... un peu embêtant quand même. Je trouve un peu, peu contre-productif. Euh... Ouais. Euh... On a eu plein de boîtes de Dark Angel qui est exactement, exactement la même chose que les Croots. Donc, euh, la même chose, euh, les mêmes boîtes, avec les mêmes trucs dedans, avec des bouquins et des cartes, pour ceux qui veulent avant et qui voulaient jouer leur truc avec quelque chose de nouveau. Ouais. Dark Angel aussi, il y avait des trucs nouveaux dedans, peut-être euh, les croûtes un peu plus, mais Dark Angel, tu avais quand même Belial, machin, tout ça. J'ai pu avoir. Euh, C'était. Je euh, avoir tout ce que je voulais en Dark Angel. Là, euh, c'est revenu, là, depuis 15 jours, sur des. comme... C'est euh, pareil pour les. La boîte, alors j'ai pas dit là, mais parce que c'était semaine dernière, je crois, ce que j'ai dit. Euh, la boîte euh, de Underworld, refaite avec les trois petits groupes dedans, avec... Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, Pareil, limité à 5. Ah bon Paf. Ouais, ouais, limité à 5. Donc j'ai dit, comment on fait On attend vendredi. Ah non, vendredi, tu pas de réponse, parce que ça, faut que tu attendes de voir si on en aura encore pour cette semaine. Euh, tu vois cette boîte de c'est pour ça que des fois je vous dis aussi par, par parenthèse faites, faites faites gaffe aussi pour les autres pour ceux qui alors c'est beaucoup moins maintenant il y a plus trop de problèmes mais ceux qui commandent et qui réservent et qui et qui n'honorent pas les choses c'est là qu'on voit que moi je vends de vendre la boîte à, à x ou y je m'en tape euh, même de ne pas vendre la boîte, euh, de, ou pas vendre les boîtes, je m'en cogne, mais je vous jure que c'est vrai, c'est pas super important. C'est-à-dire que si je peux pas avoir une boîte, je ne la vends pas, je passe à autre chose. De toute façon, ça va tellement vite que la semaine d'après, tu es déjà en train de parler d'autre chose. Ouais. Mais, mais par contre, euh, de ne pas honorer ou de faire là, bon, ce n'est pas le cas. Mais des fois, tu vois, tu, tu réserves. Euh, moi, je me dis, je vais en avoir. Là, quand tu as cinq boîtes et que tu as les cinq premiers qui sont arrivés, et sur les cinq premiers, tu en as un qui prend de réponse ah, j'ai réfléchi. Ouais, c'est pas cool, cool quoi. Faut faire... Mais là, depuis 15 jours, je trouve que c'est revenu chelou. Avec des quantités. Et des coups de téléphone qui viennent après pour dire voilà, t'auras ou t'auras pas. Et je sais pas ce qu'ils se mettent à glander. C'est ça que je voulais dire. Et de fait de sortir cette boîte. Enfin, je, je soupçonne que de sortir cette Solar oxy, là, je sais pas quoi. Maintenant, euh, c'est pour vite, vite, vite finir ça. Et je pense qu'ils vont repartir sur quelque chose de. Euh... De, de, de plus nouveaux, enfin, de, de, euh, bah, euh, avec leurs annonces et tout ça, tu vois, as mmh. l'impression de dire allez viens, on, on... ça me donne vite vite on... enfin, vous, vous voyez ce que je veux dire quoi, vous pouvez pas me répondre parce que vous écrivez en texte mais vous voyez ce que je veux dire, c'est <laughs> <C 'est> genre, <laughs> vas-y vas on fait le ménage on repart à zéro quoi, on verra la semaine prochaine peut-être des codex, des trucs qu'ils annonçaient, euh, voilà, je sais pas, ça, ça me paraît... Euh bah là, euh, si on bien. sait hein, je veux dire euh, les orques euh, les custos, enfin euh, voilà euh, ça va être ça va être Bagdad ouais. hein, euh, ça, ça va être des grosses grosses sorties à OSV4 par dessus le marché enfin pff, ouais comme le dit Karzakoun, euh, ça va être ça va être chaud hein, ça va être ça va être bouillant là ouais, hein. c'est pour ça ouais. Ouais. donc euh, moi je comprends pas hein, sur le sur, sur les croûtes je comprends pas enfin je veux dire tout le monde oh. a senti que ça va être un carton enfin je veux dire et les joueurs. Déjà, on peut dire ce qu'on veut, on dit oui, les joueurs tôt, il y en a pas beaucoup, blablabla, blablabla. Bah, quand il y a eu Boarding Action avec euh, Farsight dedans, souviens-toi, ça a été une boucherie. quoi. Oui. Le Farsight avec sa, avec sa. La Boarding Action tôt, pourtant il y avait Farsight et pas grand-chose d'autre, elle a été, mais. Tout le monde s'est fait déboîter sur celle-là. Hein. C'était, Ça a été une des pires. Une des pires. Ouais. Euh, en termes de, il ben, n'y avait pas quoi. Enfin, je veux dire. Euh... Ah moi, je crois que j'ai eu deux boîtes ou une boîte, ou... je sais plus. Je, je sais me dire. rappelle, oui, 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 tout à fait. Euh... Même que moi je la voulais, j'ai dit non, laisse-la pour un, pour, pour quelqu'un parce que moi je la ferai plus tard. Et puis euh, c'était pas pour une armée que j'allais faire tout de suite, tout de suite. Mais euh, mais euh, le Farsight et tout, la nouvelle figure. Donc ça veut dire que les joueurs tôt ils sont quand même là et ça veut dire qu'il y en a quand même plus qu'on croit. Euh, autant euh, le mécanicus tu sens bien que ça te reste un peu sur les bras, que même, euh, tu vois, euh, je me rappelle là, les boîtes de Noël, là, celle qui a été la moins vite vendue entre guillemets, c'était le mécanicus euh, alors que c'était pas la moins intéressante. Euh, et ça, c'est et, et, et bien là, euh, tu aurais pu te dire oui, euh, c'est d'autres boîtes, peut-être la Desgarde machin. Et là, non. Ah euh... oui, t'as les. Là, t'as les Battle Force aussi, dit Kirsakoun, euh, les... les deux Battle Force qu'ils annoncent là. Ouais, ouais, tout à fait. Bon. Oui, tout à fait, Ben, euh, nouvelle figue attendue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on... Games Workshop, je ne comprends pas pourquoi sur les Dark Angel ils arrivent à fournir et sur les taux, ils se sont dit, oh non, ça va pas marcher, les taux, ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire. Euh... Non non. Prendre un million pareil, c'est complètement dingue. Je suis d'accord avec Furious Fab. Au début, j'ai pété un cas parce que j'ai dit, les fils de... Voilà, tu vois, je suis en train de mater le site de Games ce matin, il y a marqué euh, les cro... euh, J'ai dit, voilà, ils nous ont pourris parce qu'ils nous en ont pas filé beaucoup à nous. Et en fait, sur le site de Games, il y avait les croûtes. Tu dis, bon, bah, tant mieux pour vous, d'aller vous en acheter. Mais c'est pas resté longtemps. Mmh. C'est pas resté super longtemps. C'est mar... marqué euh, définitivement. C'était marqué... Enfin, euh, rapidement, euh, pas au bout de 10 minutes. Et, et, et il n'y avait pas de fil d'attente, je suis d'accord avec lui. Il n'y avait pas de fil d'attente, il y allait, moi j'y allais. J'ai regardé, je ne pas si j'allais en prendre une pour sauver le cul de quelqu'un. J'ai laissé tomber, de toute façon c'était une par panier, donc tu étais niqué avec ça. Et, et j'ai dit, ouais, tu vois, dans la limite des stocks, c'est bon, ok, bah, ils se sont gardés les trucs. Mais j'ai vu que, ouais, une heure et demie, peut-être une heure après, une... voilà, il n'y en avait plus. Épuisé en ligne, bing. Et donc là, c'est ont... je pense que là, ils en ont pas eu beaucoup. Ils n'ont pas fait tant que ça, en fait, pour aller se mettre euh, en PLS aussi vite que ça. Oh oui, bon, non, mais c'est sûr parce que. C'est sûr. Mais moi, je pense aussi que euh, je ne sais pas qui est-ce qui fait les prévisions chez eux, mais les mecs, ils. ils, ils, ils... Enfin, euh, si vous avez un problème, embauchez quelqu'un d'autre. Hein. Je veux dire, euh, moi, je veux bien vous montrer comment ça se passe. Hein. Parce que franchement, sérieusement, euh, tu sentais sur The All World qu'ils allaient se ramasser. En disant ouais là. Moi je me rappelle encore de l'annonce qu'ils ont fait quand ils étaient à Las Vegas ou je sais pas quoi euh, deux mois avant, no enfin trois mois avant Noël là, la dernière annonce où il y avait les deux oeufs de chez Games dont euh, le petit jeune là qui disait enfin le petit jeune qui voilà qui disait euh, ouais non mais bon il y a, y a je me rappelle ah ouais je me rappelle j'ai lu un truc où euh, y a, ils ont vu la confée de presse quand les types sont arrivés ils se sont fait siffler la confée de presse sur the old world. Hein. Sur, donc euh, ils sont fait siffler par les... Il y avait les fans de Battle et tout. C'était ah leur truc à, le, à Las Vegas. Et, et ils ont fait leur truc et tout. Ils se sont fait siffler. C'est que le ton a monté. Il paraît que le ton a monté et tout ça. J'ai lu la leur, retranscription. Leur et au final, euh, ils ont dit... Euh, ouais, parce que le mec il a commencé comme ça en disant bon euh, le mec de Battle vous nous saoulez hein, en, en gros. Hein, euh, vous aurez ce que vous aurez, machin truc. Le ton il a monté et tout. Et puis euh, bon, euh, ils ont dit, well, de toute façon, euh, ce sera pas pour les 40 ans. Et puis au final, il, ça a été quand même pour les 40 ans, parce que l'annonce a quand même eu lieu au mois de décembre. Et puis, je pense que les types, ils se sont dit, non mais Battle, ça va quoi. Pff, on ne les vendait pas à l'époque. Parce qu'il y a aussi tout ce truc-là qui a été dit aussi par Rick Pressley, qui a dit, euh, oui, on a arrêté Battle, parce que les ventes par rapport à 40 000 machins. Mais il fallait voir ce que c'était Battle à l'époque. De la V8, de la V7. C'était un jeu à la V8 qui était quand même ultra violent, qui était pas primo-accédant du tout, euh, qui avait son public, mais les gens avaient beaucoup d'armées. Euh, voilà, enfin, je veux dire, il fallait beaucoup, beaucoup de figurines. Aujourd'hui, The Old World, faut moins de figurines. Tu fais des, des unités de 15, ça suffit. À, à Battle, tu faisais des unités de 30, 40 figurines. Donc, euh, bon, bref. Euh, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Je pense qu'il y a eu un moment dans des gens chez Games qui se sont dit, oh maintenant ça suffit. En plus, euh, euh, Warhammer Battle, c'est euh, Jarvis Johnson, c'est tous ces mecs-là. Bon, il faudrait bien qu'on s'en débarrasse. Il y a qu'à voir, hein, je veux dire, euh, euh, le, le, le départ de John Blanche, il euh, n'y a même pas eu un entrefilet. Enfin bref. Euh, donc... Euh, voilà, je pense que... Là, ils ont été pris de court. Alors, il y a peut-être aussi un côté revival machin. Moi, depuis que The Old World est sorti, j'y joue beaucoup. Je suis. Je vous le dis franchement, les, les amis, je trouve que c'est un jeu vraiment excellent. Vraiment excellent. Il a, il est meilleur que, que Battle V8 sur bien des points. Parce que Battle V8, il y avait vraiment beaucoup de trous dans la raquette et la magie était beaucoup trop forte. Vraiment, c'est un très 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 bon jeu. quoi. Alors, il est compliqué. Mais en, euh, en définitive, en jouant à des petits formats, euh, voilà, ça fonctionne. Et je pense que, voilà, ils, ont pris, ils ont pris le boulet. Quoi. Ils ont pris complète le boulet. Quoi. Enfin, voilà. et, et, et là, sur les taux, ils ont dû se dire, ouais, les joueurs taux, machin, j'en sais rien. Mais je... comment c'est possible que les Dark Angel, il n'y ait pas eu de problème et que les taux, il y en a eu Alors que les Dark Angel, franchement, il y a beaucoup de joueurs Dark Angel. Ne serait-ce que parce que la V7, c'était la boîte Dark Angel. Même toi, tu as racheté la V7 je t'avais retrouvé la V7, euh, Manu, quand tu t'y es remis en V8 euh, avec euh, la Ravenwing et tout ça. Oui. C'est euh, ça la question. T'as dit quoi Je disais que je pensais qu'il y avait plus de joueurs Dark Angel que de joueurs tôt Bah moi je pense que oui quand même. Parce que c'est historiquement c'est plus ancien. A... Ouais. Ouais. Moi je pense ouais. que oui quand même. Ouais. Donc, euh, et puis là les les croûtes. Pff, ils ont été tellement chouettes, quoi. Enfin, je sais pas. Bref. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc, c'est que les les croûts, là, quand ils sont sortis, ils sont presque plus modernes, plus classe ah ouais. que ce qu'ils ont fait avec la boîte Dark leur boîte des Swing, euh, où tu t'es dit, euh, euh, c'est que la des Swing, quoi. Alors, ça vaut le coup pour ceux qui jouent, parce que du coup, ils vont avoir tout leur Terminator dedans, euh, qu'on a déjà eu cinq minutes avant avec la boîte de Léviathan, donc on euh, commence à faire une collecte de, de, de Terminator, quand même, enfin tu vois. <laughs> tu m'étonnes. Les Croutes, les je trouvais ça plus classe, quoi c'est super super nouveau, super machin, et ils font quatre boîtes et demie tu vois. Ou alors, et, ou alors, ils verrouillent, c'est-à-dire qu'ils se disent, là, on s'en fout, on envoie du Terminator et tout, puis ça ira bien. Et, et les Croutes, euh, on fera plus de thunes, euh, peut-être... Euh, euh, en, en délotant, peut-être qu'ils disent qu'on quantifie, on fait un peu la hype on bloque tout, voilà, puis comme ça quand ça sera déloté, les mecs vont se, se, se jeter dessus par euh, par, les, par les, voilà, je sais pas je je, je sais pas enfin ouais. je m'en fous en fait, c'est un peu ouais, c'est d'essayer de trouver des réponses qu'on n'aura pas hein, de toute façon, mais au moins des, des petites théories bon alors, on va euh, se lancer maintenant dans quelque chose de beaucoup plus concret avec, euh, évidemment euh, le débat des viocs, Parce qu'on est là pour ça. Je vais demandé jingle. <laughs> Dit-il en baillant. Alors, petite info pour le diorama du soir. Vous savez que nous faisons des dioramas maintenant pendant les débats. On le on partage avec vous. Et... Eh et, et, et bien, ce soir, c'est Jean. Jean de NetEpic qui m'a euh, envoyé, euh, enfin qui, qui m'a envoyé, qui l'a mis sur le Discord, et eh bien son armée euh, de, de nécron, qu'il a mis un an à peindre pour euh, donc, euh, le jeu Net Epic Palladium que vous connaissez. Et eh bien euh, voilà, je voulais vraiment le mettre en avant, puisque euh, eh bien, un projet Hobby, c'est aussi un projet euh, bah, sur Net epic sur Blood Bowl ou sur autre chose. Et euh, vraiment félicitations à, à, à lui. Alors j'ai pas mis toutes les photos qu'il a mises sur le Discord, donc n'hésitez pas à y aller. Mais c'est juste à tomber par terre tellement elle est belle cette armée. Et, euh, et donc euh, voilà, j'espère qu'il aura l'occasion de, de venir au studio pour nous la présenter et faire un nouveau rapport de bataille NetEpic comme nous l'avions fait l'année dernière. Ce soir, on va parler de ah, tous les bateaux là. enfin tous les. Vas-y, ah, c'est les... Vas magnifique. Hein. Ah ouais, c'est chaud. En plus, c'est bien, c'est pas. Il y a, a... choix de couleur et classe, c'est sympa. Ah oui, bah, comme on l'a dit la semaine dernière, hein, le... dans, un, dans un projet, le choix de colorimétrie est très important. Et, et donc, ce soir, on va parler de deux choses. On va parler des décalcos et on va parler, pour finir un petit peu sur, les, sur, le, sur le projet figuré, et puis, euh, parce que je sais aussi, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté par rapport aux décalcos. Et puis après, on va parler des socles, si on a le temps. Euh, mais bon, ça devrait aller. Euh, les décalcos. Donc, les décalcos, comme vous le savez, euh, bah, maintenant, il y en a de plus en plus. Avant, il y en avait très peu. Hein, et c'était des petits. Moi, j'ai connu les tout petits euh, trucs de décalcos. Maintenant, euh, euh, dans les boîtes, il y a 70, 100 dé... ouais, 50, 60, 70 décalcos. Euh, moi, je sais que Manu, toi, tu étais, étais un aficionados à l'époque déjà du décalco. Ouais. Ça faisait, euh, ça faisait propre, ça faisait fini, comme tu dis. Et c'est vrai qu'un Space Marine, notamment, avec un petit coup de décalco, ça, ça, fait, ça fait fini. Euh, alors, c'est un petit peu particulier aux Space Marine parce que euh, c'est aussi dû à, au fait qu'ils ont des. Euh, comment on appelle ça des, euh, Voilà, et, euh, leur armée est très codifiée, c'est très codex. Mais c'est vrai que une épaule de Space Marine sans décalco, euh, c'est pas toujours génial. Alors que si tu fais, euh, bah, par exemple, euh, bon, je sais pas un Eldar par exemple, s'il n'y pas de, a pas de, de décalco, c'est pas très, pas très, très grave. Euh, pareil pour euh, un Orc ou, ou, ou des choses comme ça. Donc est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu veux que je te donne, est-ce que tu nous, est-ce que tu veux parler des décalcos, Manu Puis après moi je, je vous donnerai la, la, la méthode pour les décalcos et les petits tips qui peuvent vous aider. Ben moi, j'ai appris depuis à poser des décalcos. Je vous dirai après comment je fais si vous voulez. Parce que maintenant, ils sont bien, mes décalcos. Mais ils n'étaient pas bien avant. <laughs> Mais euh, ouais, ouais, moi, je me rappelle quand j'ai commencé, j'adorais euh, les, les boucliers des gobelins de la nuit. Parce que tu te rappelles, il y avait les lunes, ah oui. les soleils, tout ça, donc qui étaient en 3D, qui étaient comme ça. Donc ça faisait. C'était chiant à faire, parce qu'il ne fait quand même pas. Il y avait des dégradés de la lune, enfin tout ça, voilà. Donc c'était un peu casse-couille, si tu veux faire joli, hein, voilà. Et euh, quand ensuite je suis passé à mes elfes sylvains, tu as les boucliers euh, des gardes qui étaient comme ça, puis ils avaient filé des, des arbres en décalco, quoi. enfin, y avait ouais. des euh, trucs à bout, des de, de trucs des forêts. Euh, et et ben, j'aimais bien après, parce que ça, ça facilitait la tâche quand même. de Tu peignais ton bouclier exemple, en, en, en jaune, marron, euh, voilà, puis tu pouvais mettre le, le, le décalco dessus, puis tous les mecs avaient euh, clac, 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 clac toi. Je croyais que ça faisait classe. Je trouvais que Parce que Raya, peint de les boucliers aussi des. Euh... Non, c'est pas le sujet bouclier, je suis con. Non, mais peindre de <laughs> les boucliers des aux des, des, des elfes, tu sais, avec euh, les, les des dragons ouais. dedans et tout. C'est la purge. Enfin, je veux dire, si ça avait un truc gris avec un décalco déjà dessiné en dragon et que tu te le tapes pas en frienne sur, euh, sur 20 elfes, hein, tu vois, enfin, quand même une peinture. C'est quand même une gamberge d'armée, quoi. Il ne faut pas que ça soit des fois trop dur, dur, quoi. Mais ça fait partie de la gamberge voilà. globale de l'armée dont on parlait la semaine dernière, effectivement. Pour trouver cette euh, homogénéité qui fait que dans un projet hobby, eh euh, c'est surtout l'homogénéité, on le voit d'ailleurs par rapport euh, au, au projet de Jean que nous revoyons, donc le projet NET EPIC, euh, eh l'homogénéité des figurines, sachant que là on est sur du 6 mm, hein, 6-8 mm, hein, c'est tout petit, hein, donc... Euh, il faut qu'il y ait une homogénéité de couleurs et ainsi de suite. Et c'est très bien trouvé. Donc les décalcos, ben, je vais vous donner ma méthode, puis Manu vous donnera la, la sienne après. Déjà, pour vous aider un petit peu là-dessus, il faut savoir que les décalcos, la, le, le problème souvent, c'est cette petite pellicule blanche qui détourne le décalco, qui est euh, en... C'est du végétal, c'est du maïs. C'est Espèce de truc de maïs euh, en fait qui donc est relativement soluble à l'eau mais qui laisse souvent ce petit tour, euh, ce petit tour là euh, quand, euh, quand vous posez vos décalcos, ce petit tour blanc et qui dans le temps a tendance à blanchir en plus. Et euh, eh bien, si vous posez vos décalcos, vous, vous remplacez l'eau par du vinaigre blanc ménager. Eh bien, vous n'aurez plus ce problème. Alors, il ne faut pas les laisser trop longtemps parce que ça fait justement fondre légèrement cette petite pellicule euh, végétale. Et euh, comme ça, vous allez pouvoir les appliquer de manière beaucoup plus uniforme. D'autre part, pour ce qui est des décalcos Space Marine, là, c'est toujours problématique un petit peu parce qu'il y a les polières. Ils n'ont jamais, jamais été foutus de nous vendre... Euh, des décalcos qui avaient là, déjà, si vous voulez, cette forme de l'épaulière, euh, qui était déjà pré-découpée, entre guillemets. Euh, donc, euh, ce qu'il faut, c'est prendre avec euh, son cutter et faire des petites entailles sur les côtés, ce qui va vous permettre de les... Ils vont se légèrement se fondre. Et puis, alors, <laughs> une fois que vous l'avez posi positionné, avec votre vinaigre blanc, hein, ne vous inquiétez pas, ça n'attaque pas la peinture de toute façon, eh bien, vous allez donc... Euh, euh, enlever le surplus avec un coton-tige par exemple. Et une fois que c'est bien sec, mais vraiment bien sec, c'est-à-dire que moi je le fais carrément le, le, le lendemain ou plusieurs heures après. Vous prenez, vous passez un, un petit coup de, 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 de vernis mat au pinceau pour, pour bien sécuriser le, 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 le décalco. Et euh, là encore, plusieurs heures après pour que ça a vraiment bien séché. Je mets un petit glacis d'Adrax. Euh, pour euh, bah, le salir un tout petit peu, pour qu'il fasse euh, moins neuf, euh, moins euh, par-dessus, pour qu'il se fonde un petit peu plus. Voilà euh, pour euh, les épaulières, notamment des, des Space Marines, comment je fais. Et toi, Manu Alors, moi, ce qu'il faut savoir sur le calculs <laughs> en fait, c'est des... les. Tu sais, les soirées sur France 3, c'est tard. Ouais. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre livre. Que, je veux bien me permettre de vous en parler, mais quand même, bon, l'histoire du calco n'a pas commencé en 1822. Non, quand vous vous votre dans votre... Et qui parle comme ça, tu sais. En fait, on comprend jamais la fin des phrases. Mais c'est pas pour ça. Non, voilà, non, moi, ce que je fais. Non, j'avais appris, euh, quand j'avais pris mon cours, c'était pas mal, je savais pas. En fait, je... Euh... en fait, moi, je mets un coup de. Comment ça s'appelle de... Merde, tu m'as dit tout à l'heure, de, de vernis. Euh, je mets du vernis sur, le... Bon, je fais mon, épau... mon épaulière, d'accord, elle est peinte, voilà. Du coup, je mets du vernis. Ouais. On me dit, tu mets du vernis, tu protèges ta peinture. Vernis brillant. Donc, brillant, mat. Enfin, moi, je fais du brillant au début. je Brillant pas. parce que le, le brillant, c'est lisse, mat, c'est pas lisse. Donc. Ah bah, brillant. Le fait que, que ce soit brillant. Mais voilà. Ah ben bah, c'est du brillant. Je mets. pas, je n'aime pas. pas utiliser les autres encore. Et euh, donc brillant. Euh, l'arcuate à la con en plus de, de games hein. enfin je veux dire euh, voilà et euh, donc je mets ça ensuite je mets mon décalco avec euh, les deux les deux trucs de, de, de green stuff euh, qui est euh, le décalque softener là tu sais ouais. pour le rendre tout mou ouais euh, voilà je le place et attention faut voilà. pas voilà. le mettre et trop longtemps hein. parce qu'il est agressif quand même le décalque softener hein. ah, moi ouais je, ça m'est jamais arrivé de péter des décalcos aussi ouais c'est en fait je mets, je le mets, je mets mon décalco dans l'eau je le récupère, je le fous sur l'épaulette, je fais mon truc. Et puis ensuite, je mets une petite goutte dans, mon, dans ma palette de, de produits. Et après, je mets un petits coups de pinceau pour le replacer un peu. Donc, euh, voilà. Et normalement, ça, ça, ça colle le, la pellicule blanche, comme tu dis. Mm. D'accord Et quand c'est un petit peu plus sec, j'attends ouais, 10 minutes, un quart d'heure, voilà. Je mets un petit coup de décalque fixeur par-dessus. Ouais, voilà. Le fixeur, ouais. Et après, d'un. tout. Ouais. ouais, ouais, tout à fait. C'est tout. Je fais que ça. Et après, quand je mettrai mon, je mets du vernis mat sur mes figurines, euh, que ce soit du vernis Games un peu satiné ou du vernis un peu plus mat d'autres marques. Euh, du coup, ça, ça atténue le, le brillant de les, de, du vernis, de l'épaulette du début. Tu vois. Mmh, tout à voilà. fait. On voit plus en fait après. Voilà. J'ai plus d'ennui depuis que je fais comme ça. En fait, voilà. Euh, les bon. deux produits des fixer et <laughs> Pour les décalcos, ils sont très bien, je les ai aussi, je les ouais, ai testés. Marche, ouais. Ils sont ils sont très très bien. De chez Green Software, on les trouve sur le site euh, click29-hobby.fr. Non mais en plus, c'est pas cher. Enfin, c'est pas je veux dire par rapport à Non, non, non c est c est peinard, ça ouais. c'est ça. ça c'est peinard. Et en plus, ils en fout très peu donc euh... Voilà. deux trucs non, pour 10 ans. Donc ça c'était pour les décalcos, ça fait partie de la réussite de votre projet hobby, le décalco. Donc là, vous avez vos figurines, on le rappelle, vos unités par 5. Alors, chose importante aussi, ne faites pas euh, finissez vos unités. C'est-à-dire que le décalco fait partie de l'unité terminée. Parce que le, le mauvais plan, et on va y revenir après, parce que ça c'est le bon plan, c'est-à-dire qu'autant les socles, vous pouvez les faire à la chaîne, autant se manger une armée entière au décalco, c'est long. Le, le décalco, t'en fais 5, t'en fais 6, ça va. Surtout que souvent sur les Space Marines, t'en as plusieurs sur une seule figurine. Un sur les polières un sur les polières gauches. Tu mets ton pouce là où il ne faut pas, ça décale, ça, ça décale le, le décalco que t'avais mis euh, sur les, les polyères d'en face. Donc, non, euh, méfiez vous quand même. Euh, les séries de décalcos. Ouais. Euh, par 5, par 10, oui. Figurine, <laughs> au-dessus, ça peut vite être euh, chiant. En tant que. <laughs> Et... non, il, y avait, euh, il y a h euh, qui disait Je mets jamais de vernis sur mes figues, est-ce que c'est grave Alors, c'est pas grave, si ce n'est qu'elles sont fragiles. Elles sont fragilisées. Si elles prennent la poussière, elles vont être plus difficiles à dépoussiérer. Après, il y a beaucoup de joueurs qui ne vernissent pas parce que l'étape une... du vernis est toujours un risque, étape dont on peut parler d'ailleurs. Euh... Le vernis, euh, beaucoup de gens me disent voilà, euh, le problème c'est que ça blanchit mes figurines. Alors, pourquoi ça blanchit une figurine Il y a plusieurs. Euh, plusieurs euh, euh, c'est à cause de, de plusieurs facteurs. Les bombes de vernis, moi je prends euh, les bombes Games même si elles sont chères, elles sont bien. Il y a certaines euh, bombes Tamiya qui sont très bien, mais elles sont encore plus chères. Et vous avez euh, sinon une de chez Lefranc Bourgeois, je crois qu'elle est pas mal. Après, je prends pas du tout des bombes euh, de chez euh, PBO. Pourquoi Parce que les bombes de chez PBO sont faites pour euh, notamment les pastels. Et en fait, le jet de la bombe est un jet qui est euh, avec des gouttes. Il n'est pas uniforme, si vous voulez, euh, par rapport à. Ce serait comme la différence entre une laque, de... une laque, euh, une laque pour cheveux, qui va avoir un, un, un truc très euh, euh, très diffus, et euh, du gel en, en spray, qui va vous envoyer des gouttes. Voilà, pour les cheveux. Ouais, J'ai dû prendre, prendre celui-là, moi. Oui, c'est celui que as dû rater, oui. Euh... Faut pas le prendre, les gars. C'est pas le meilleur. <laughs> C'était Petrolane quand étais gamin, c'est pour ça maintenant que c'est ouais. interdit à la vente. <laughs> Putain, c'est vieux, ça. <laughs> voilà, donc ça, euh... <coughs> méfiez-vous de ça. Donc moi, je prends que les bonnes games pour ça. Euh... <laughs> J'en miche, je miche à peu près. Énorme, comme d'habitude. Euh... Les bombes Games, comme toutes les bombes de vernis, elles ont un danger. C'est que il faut vernir quand il fait pas humide, quand il fait pas trop chaud. Entre 15 et 25 degrés, 15-20, 15-25, c'est bien. Il faut vraiment beaucoup les secouer. Remuer les énormément. C'est-à-dire qu'ils mettent 2 minutes, mais c'est vraiment 120 secondes. C'est-à-dire que ce n'est pas 2 minutes, oh, ouais, je fais 2 minutes. Non, là, c'est vraiment 2 minutes, voire 2 minutes et demie. Pour bien euh, que euh, ça se mélange à l'intérieur, notamment euh, le médium et le vernis. Et puis, le, la troisième chose là, qui est, qui est, qui est euh, paradoxale, c'est que souvent, les gens vernissent de trop loin. Et en fait, le vernis, à plus de 20 cm entre le moment où il part de votre bombe et le moment où il arrive sur votre figue, il, il a déjà séché. Et donc, quand il attaque la figue, eh ben, il blanchit. En fait, il a déjà commencé à sécher, donc il va blanchir votre figurine. Et, euh, et ça, c'est un gros problème, parce que pour réussir à déblanchir une figurine au vernis, il n'y a qu'un moyen, c'est le médium. Mais ça ne marche pas dans tous les cas. Ça va attaquer légèrement le vernis, mais ça peut aussi attaquer un petit peu la figue, surtout si vous peignez à l'aéro. Parce qu'il y a très très peu de peinture à l'aéro. Et euh, bah, souvent, bah, c'est pour ça que les gens ne veulent pas vernir. Voilà, donc les, il, faut, il y a vraiment un processus, il faut que euh, moi je vernis en intérieur aussi pas dehors Alors, on dire il faudra peut-être pas mais voilà parce que euh... Et après ils tous pas hein. <laughs> non, par contre je mets un masque <laughs> enfin quand Alors, je... voilà voilà mes filles <laughs> trop bien je peux les escouer il se passe rien je viens de finir toute une armée entière <laughs> Simone, passe-moi une petite gitane <laughs> sans filtre! <laughs> <C 'est... rire> bon, euh, donc voilà. Et donc voilà ce que je pouvais vous dire. Et sinon, il y a la possibilité de vernir au pinceau. Et ça, ça marche très bien aussi. Et pour le coup, il n'y a pas. Normalement, ça ne blanchit pas si vous vernissez au pinceau. <laughs> Viens donc vernir mes... tes figurines sur la terrasse à moins 20. <laughs> bah oui, Eric, mais voilà, mais... <laughs> on est bien d'accord. <laughs> on est bien d'accord, on est bien obligé de... de faire l'intérieur. Euh, cela dit, euh, bon, il fait pas tout le temps moins 20 non plus au Québec. Hein. L'été, il fait très beau, donc euh, voilà. C surtout le mois d'août, il fait très beau. Donc, euh, voilà. Alors, <laughs> maintenant, on va attaquer la deuxième partie. Euh... <laughs> Goethe, il demande à Eric Boileau si au pinceau, il dilue à l'eau ou pas. Ben bah ouais, c'est une vraie question. Non mais et, Eric Boileau, je pense qu'il a voulu dire. <laughs> ah bon, d'accord. <laughs> oui. oh, oh là, une blague. <laughs> oh, 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 magnifique. <laughs> Allez, euh, on va enchaîner. Non, sur... la réponse moi. <laughs> on, va, on va enchaîner sur les socles, les socles qui ont été, qui est la grande, la grande. Euh... Manu était très bon sur les socles, je me rappelle pendant longtemps. Le PBO il est très Bonjour. bon, mais bah, moi je suis pas d'accord, Dracal. Je suis pas d'accord. Je trouve que le PBO. Il fait des petits points. Euh, alors après, il y en a et PBO, c'est une marque qui fait plein de choses différentes. Mais euh, moi, celui que j'avais pris, c'était pour les peintures. Euh, c'était pour fixer la, la peinture euh, pastel. Le pastel et j'aimais ai, pas du tout le rendu, quoi. Mmh, mais bon. Ah, c'est pour tableau à l'huile, toi, d'accord. D'accord, pour tableau à l'huile. Ok. Mais il est... moi c'était pas le même d'accord, merci alors pour l'info je confirme que pour le temps un Québec euh... ok, alors on enchaîne sur les socles euh, donc Manu, lui, c'était vraiment le, le pro des socles moi j'aime beaucoup les socles qu'il fait en général je vais donner quelques infos puis euh, Manu, t'hésites pas à donner euh, à, à prendre la parole hein, là-dessus ouais. alors, il faut faire attention à la cohérence, c'est-à-dire que vos socles c'est ce qui va aussi aider la cohérence de votre armée. Par exemple, mes orques que j'ai fait, c'est la Wagmax Fury Road. Donc, c'est sur la route, puisque c'est Madmax Max Fury Road. Donc, tous mes socles, c'est des bouts de route. Voilà. Donc, déjà, ça raconte une histoire. S'il y en a un qui est pas sur un bout de route, ça peut encore aller. Si c'est toute une unité, eh ben, les gens vont se demander ce qui. Ce pourquoi est-ce qu'ils font partie de l'armée ou pas Donc, ça, c'est la première chose. Cohérence de couleur. Et évidemment, il ne s'agit pas de mettre des socles avec de, avec de l'eau, euh, des socles avec de la neige et des socles avec euh, de l'herbe sur euh, la même armée. Ça, 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 ça a tendance à ne pas fonctionner. Sur un projet hobby, il faut savoir faire des socles simples. Je le dis souvent, on peint des figurines, pas des socles. Le socle fait partie de la figurine. Il ne faut pas le négliger, moi je les, je les ai souvent négligés pendant très longtemps. Je, 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 je conviens qu'il ne faut pas les négliger, mais il, faut, il doit magnifier la figurine qui est au-dessus. Notamment au niveau de la colorimétrie, je vois des fois des socles qui sont plus lumineux que les figurines qui sont au-dessus. Ouais. Et là ça pose problème parce qu'on ne sait plus où regarder. Le socle il doit emmener le regard. Là si on voit l'armée par exemple euh, de Jean, on est sur du 6 mm, c'est tout petit. Ces nécrons sont en blanc et ces socles. Alors vous me direz, ouais, sur la masse, il faut, c'est du, c'est du vite fait. Non, je veux dire, c'est intelligent. S'il fait des socles compliqués sur du 6 mm, on ne verra plus les figurines qui sont dessus. Et pourtant, quand vous voyez là à l'écran, vous voyez que les socles, ils sont pas négligés. Il y a des, il y a des, il y a plein de petites choses. Ça raconte plein de petites choses sur ces socles, notamment euh, ben euh, de la, de la, des de, 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 comment des. Euh, des, des, des des bouts de noctilite et ainsi de suite et ainsi de suite qu'est-ce qu'on pense Manu sur cette première idée par rapport Là, au socle eh ben moi je vais répondre avec Saré il dit j'ai entendu Dim 69 exploser au loin quand tu as dit que les socles fallait faire simple ben, et ben, tu vois moi je suis assez d'accord avec Philippe parce que euh, pour faire euh, Dim moi j'ai vu son tuto socle ouais, il est je super vous, conseille d'aller le voir il y a plein de lien, ouais. on dirait, on dirait vraiment, euh, quand il fait euh, du sable, c'est du sable, du caillou, du caillou, un côté doré, jaune, enfin tout ce que tu veux dans les, dans les couleurs, c'est vachement marrant, euh, rouge euh, Mars, tu fais, ah putain on dirait rouge Mars, c'est chanmé les couleurs qu'il a choisi le chacal, tu vois, euh, le problème c'est que, euh, bah, quand il te donne le tuto euh, Mars, bah, tu t'es' qu'à suivre son tuto, bon voilà, euh, donc il y, y aurait pas de souci avec ça, mais, mais quand même, euh, euh, J'en parlais l'autre jour à je ne sais plus qui d'ailleurs, ben, c'est un point de vue, ben, c'est un autre sujet, c'est pas celui-là, je, 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 je parlais de ça plus tard, sur l'histoire de la peinture, de, 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 de ce qu'on peut expliquer ou, ou pas à quelqu'un, en fait, si tu veux, euh, ou de dire oui ou non, voilà, je, je suis assez d'accord sur le côté simple des socles, c'est-à-dire que quand tu n'es pas doué, euh, ou que tu es au début de ta peinture, ou que tu veux voir si tu vas réussir à aller au bout de ton armée, ou de la partie que tu as envie de faire au niveau de l'armée, il faut pas... On, on, on... Il faut pas penser qu'on va améliorer la... la figurine si on n'a pas été bon sur le socle et qu'on pensait que ça allait faire bien. C'est-à-dire qu'il su... vaut mieux faire quelque chose de simple, un petit peu de sable, de petits cailloux par exemple, Exactement. ou alors regarder une texture, une texture qui est vente chez Games, enfin, craquelée ou ce que tu veux, si elle est de la bonne couleur avec la bonne figure, enfin, avec le bon tu prends moins de risques et tu n'oublies pas que tu fais une armée. bon point de vue. Donc quand Philippe dit ça, je le rejoins à ce niveau-là. Je ne le défends pas parce qu'on est un petit peu partenaire de live et que toi, tu n'es pas grand-chose par rapport à lui. Je veux dire, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas du tout ça. Je le prends pas mal. Je l'ai au téléphone en plus On s'est bien marré. Mais non, non, pour rigoler. Je veux dire, non, mais vraiment, je vois que le simple, ça peut être... Moi, je vois trop de socs qui peuvent être peut-être trop compliqué, euh, qu'on pensait que ça ferait bien, et, euh, et moi, j'aurais pas fait, tu vois. Voilà, euh, choisir la bonne couleur ou, ou la bonne texture est presque plus important pour moi, au début. Euh, bah, plus, plus peut-être, se concentrer là-dessus. Euh, voilà. Pour te faire chier euh, un peu avec ça, d'accord voilà. <laughs> Non, non, mais il faut... C'est pas parce qu'il est grand et costaud qu'il faut pas l'en... Hein, je veux dire... Euh... Ouais, les gros, ça m'a toujours fait rigoler, hein, parce que quand ça tombe par terre, ça fait tellement de bruit, que voilà. Non, mais euh, blague à part, euh, Dim, Dim, il est, c'est très haut niveau, ce qu'il fait. D'ailleurs, je vous ouais, ai oui. mis la vidéo dans le chat. Mais si tu baisses un petit peu, d'ailleurs, il le dit lui-même, hein, dans ses tutos, à chaque fois, à un moment, il dit. Si vous voulez pas aller plus loin, ce ouais, sera déjà largement exactement. suffisant. Et après, exactement. tu vas chercher plus loin. Et c'est ce que dit euh, aussi euh, d'autres peintres comme euh, Morand ou autre, qui dit euh, les 10 derniers pourcents d'une figurine, c'est les trois quarts du temps, en fait, qui, qui est perdu. Et d'ailleurs, ça nous emmène à une des réflexions qu'il faut savoir avoir, mais qui est plus dans la conclusion, mais on va en parler quand même c'est qu'il faut savoir. Se, ré se réfréner pour aller au bout d'un projet. Il faut savoir calmer le jeu. Il faut savoir se dire ma figurine, elle est finie. Je ne vais pas mettre 5 heures, 6 heures, 7 heures sur une figurine de troupe. Parce que sinon, je n'arriverai jamais au bout de mon projet. Garder ces ah non, 7 heures-là. N'est-ce hein, pas, Manu non, c'est pas bien. C'est pour les salopes. Et les clopes, c'est pour les. C'est ah bah, pas bien. Pas, pas bien. Non, Donc, pas pour bien. ce qui est. Euh, 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 il va donner son tuto de socle pour son armée file. Si tu parles de moi, euh, Kerzakoun, mes tutos, ils sont très simples et euh, tu peux les retrouver d'ailleurs. <coughs> dans les vidéos tuto euh, de la chaîne, Et notamment quand je fais euh, des orques albinos ou des choses comme ça. Pour ce qui est euh, des GUET qui dit euh, je suis euh, je suis contre perso, mais quid des socles plexi. Alors les socles plexi, c'est pas si mal. Euh, la seule galère, c'est de coller la figurine dessus, parce qu'en général ça blanchit le plexi. Donc il faut vraiment pas mettre beaucoup euh, de colle. Il faut y aller euh, de manière euh, parcimonieuse. Euh, C'est pas mal parce que du coup avec les tapis aussi qu'on a maintenant qui sont jolis, ça permet de ne pas jurer. Par exemple, bah, si vous avez un tapis, vous avez fait vos Space Wolf et puis euh, vous jouez sur un, un tapis martien, ça fait toujours un peu bizarre. Euh, mais euh, j'ai remarqué que beaucoup de joueurs qui ont eu euh, une armée avec euh, des socles en plexi finissent par s'en lasser. Ils s'en ouais, lassent ouais, paradoxalement que ça... parce que ça ne raconte rien. Et paradoxalement, le fait que ça ne raconte rien ne sublime pas la figurine qui est au-dessus. Donc voilà. Et en plus de ça, ce n'est pas forcément un choix euh, qui n'est pas onéreux. Pour le coup, euh, ça peut vite monter en prix. Alors donc, faire simple, parce que vous allez le faire sur une armée en entier. Ne pas surcharger vos socles, vous peignez des figurines qui sont sur des socles. Il ne faut pas que vos socles soient plus beaux que votre figurine, sinon vous avez un truc au passage. Comme le disait Manu, le sable, le sable de mortier béton, ça vaut pas cher du tout. Je crois c'est 5 euros les 20 kilos. Alors on sait plus quoi en foutre tellement on en a. Je sais que, je, je sais que Sorrent, il, a, il avait fait ça. Et euh, c'est suite à d'ailleurs une intervention de Sorrent que, que je suis allé en prendre. Euh, ah oui, tu en as pour la, la fin de tes jours. quoi Parce qu'en fait, c'est vendu pour faire du, du, du béton. Donc c'est vendu par pack de, je sais plus, 20 kilos, je crois. Donc, déjà, il faut le trimballer dans ta caisse où c'est 13 kilos ou 15 kilos. Et, et c'est énorme. Enfin, Mais la texture, en fait, il y a des petits, des gros, des machins. Il n'est pas euh, tamisé plus que ça. Et pour le coup, ça marche super bien. Vous avez le sable de Loire. Sable de Loire que vous pouvez aller acheter dans, une, dans un magasin pour animaux. Et euh, après, il bah, faut mettre des petits cailloux, des petits machins, des petits trucs. Et bien sûr, euh, l'herbe que vous allez mettre. À la fin, l'herbe, non pas l'herbe statique, mais la petite touffe d'herbe qui va bien. Ah, la petite touffe. touffe. Ça, ça m'a nu. Manu a toujours aimé les soirées touffes, et notamment ah, les oui. soirées petites touffes. jean Schmich a raison sur les socs transparents. Le soc, c'est un peu la lingerie de la figurine. <laughs> si tu vois tout par transparence, ça gâche un peu le fantasme. <rire> <rire> Excellent. C'est pas mal, ça. Ah oui, c'est très bien. <laughs> a dit qui dit ah, le tuto gravier c'est toujours utile mais en fait moi je mets de la texture de chez euh, je sais plus ce que c'est Green Stuff World je crois qui est l'équivalent de la texture Games mais elle est, un, elle est moins de texture euh, donc la texture Games c'est mieux mais la texture Games ça vaut juste 20 fois plus cher donc voilà et je rajoute une petite une petite pierre et ouais. euh, je mets un petit peu de sable autour de la pierre parce que j'estime que c'est à cet endroit-là que ça s'accumule et tout ça. Pour moi, mes socles, ils sont. Fais... Excuse-moi, Phil. Vexaré, tu fais quoi comme soirée, toi Je <laughs> recommande les touffes 2 mm mélangées avec des plus grosses. Tu vas où, toi C'est quoi l'adresse <laughs> Ah, c'est les soirées à NC, il paraît que c'est très chaud. D'ailleurs, <laughs> <laughs> il avait dit qu'il m'inviterait, il ne m'a toujours pas invité. <laughs> Oui, bah, le... Maintenant que je sais qu'il fait ça. Euh... Ah bah voilà Meuf bah, quand même hein. ah, Moi je pense que le, le Warbuck <laughs> va se passer à Annecy, euh, décidément, pas en Bretagne. <laughs> euh, oui, le socle transparent. Je suis pas fan d'Ivorenus et j'adore faire des socles. Oui, mais toi tu peins très bien Ivorenus. La euh... touffe de 10 mm, ça gâche aussi le fantasme. <laughs> moi je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que Vexarim, il sait, il est un peu moins grand. <laughs> du coup... Vous êtes con, c'est pas permis. Bon, alors 111 personnes écoutent nos conneries. Merci à eux, c'est presque, presque un sacerdoce. Alors, euh, attention à l'harmonie colorimétrique. Ça aussi, c'est une erreur que je vois parfois. Par exemple, je veux faire du mécanicus. Le mécanicus, ils ont des robes rouges, c'est sur Mars. Je fais un sol martien. Eh ben c'est une connerie. Parce que, du coup, vous avez un énorme bloc rouge. Et, et, et c'est très difficile de donner du contraste à, quel, à du rouge sur du rouge, quoi, si vous voulez ce que je veux dire. Vous allez donc euh, ben, essayer de mettre du système de rouille, de machin, des trucs, et vous allez surcharger votre socle. Et votre figurine, elle a, elle a, on ne va pas la voir, en fait. Ça, c'est paradoxal. Donc. Même chose avec les Space Wolves. Les Space Wolves dans la neige, c'est bien. Mais il faut savoir peindre. Parce que si votre Space Wolf, il est un peu désaturé, un peu palo, vous êtes sur un, sur un truc neige. Alors ça raconte Fenris, hein, je ne dis pas le contraire. Mais les, les, les Space Wolves, ils sont aussi sur Cadia. Hein, et Cadia, c'est du sable. Hein, donc, enfin, euh, en partie. Donc bon. Méfiez-vous de ça, parce que quand vous avez un haut niveau comme, euh, comme Mechanicus Painter ou JRC Miniature, que je salue d'ailleurs Michel qui a fait le, le marathon à Rome ce week-end. Bravo à lui. Euh, ben méfiez-vous quoi parce que ça c'est la fausse bonne idée. Soit vous avez vraiment un niveau et ça peut passer parce que vous maîtrisez. Soit vous allez avoir un socle qui va pas mettre en dessus votre figurine quoi. Voilà c'est ça peut vite être compliqué quoi. Euh, un autre exemple les socles Norgles. Vous avez des figurines de Norgles qui sont Beaucoup plus dur à peindre qu'il n'y paraît parce que si vous faites mode dégueulasse, ben on voit rien. Et si vous faites mode propre, vous vous rendez compte que les figurines, elles sont extrêmement détaillées et qu'elles sont difficiles. C'est là où on voit d'ailleurs tout le talent de quelqu'un comme Vorenus. Et si votre socle, il est, il est euh, moi je me rappelle, euh, ah ouais, euh, ah je vais mettre de l'eau, de l'eau, euh, de l'eau tranquille, enfin de l'eau comme on dit là, de l'eau, de l'eau. Euh, en, ouais. en, en, en résine Qui... et, et puis je vais, mettre, euh, je vais mettre du verre je vais mettre de la dégueulasserie parce que, euh, parce que ils font tout ils font tout pourrir autour d'eux ouais, bah ouais mais c'est pas facile donc parfois ne vous prenez pas la tête quand vous savez pas quoi faire prenez votre soc vous lui mettez un coup de noir donc, vous mettez vos cailloux vos machins vos trucs il faut qu'il y ait de la texture ça par contre c'est une certitude un socle texturé ça a tout de suite plus de gueule le petit coup de, 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 de liège qui va bien. Euh, la petite. Euh, voilà, ça c'est clair. La, petit, la petite pâte euh, Green Stuff World. Le, un peu de sable, un peu de, un, un caillou. Ne surchargez pas. Un petit caillou. Pas tout le temps placé au même endroit, machin. Bon. Sous couche noire, gris. Un petit. Euh, un premier brossage. Un petit. Euh, Adrax par-dessus. Un deuxième brossage. Vous aurez quelque chose de sobre. Et qui fera ressortir votre figurine, quelle que soit la couleur de votre figurine, sauf si c'est un Necron. Et là, il est fort, Manu, parce que l'autre jour j'ai vu ces Necrons et je me suis dit putain, le bâtard. <laughs> Ils sont vraiment chouettes ces socles nécrons parce qu'ils font ressortir la figurine qui elle-même n'est pas très flatteuse au départ. Non pas parce qu'elle n'est pas bien peinte, mais parce que c'est pas facile ouais. de mettre en une figurine qui est tout en alu. C'est pas facile, couleur, euh, couleur, euh, voilà. Et tu vois même quand on, on disait ça l'autre jour sur euh, mes deux armées, enfin mes deux armées, mes nécrons sont plus blancs, ils hein, tu sais, sont mmh. crème. Euh, comme disait Damien, je fais les choses simples pour gagner du temps. <laughs> Et du coup avec le socle marron, un peu terre comme ça, c'est comme ça que je voulais... Euh, euh, parce que bah, c'est le, le, le même sujet, mais voilà, c'est l'histoire des pigments. Et euh, donc je m'entraînais avec les pigments et je trouve ça bien. Et du coup, pour, pour avoir une une, Je me suis fait un peu avoir là-dessus. Je m'en sors, mais je me fais avoir. C'est que du coup, quand j'ai fait en même temps mes Dark Angel, j'ai utilisé les mêmes socles. Comme ça, je me suis dit, quand on jouera ensemble, on aura... On est sur le même terrain, tu vois, ça donnait le même terrain, le, la même gamberge. Et mes Dark Angel sont foncés. Et mon socle est foncé. Alors ça passe. Mais... Est-ce que pour les Dark Angel, ça aurait pas mérité un socle un tout petit peu plus clair, par exemple, tu vois euh, pour, ouais. pour recréer un peu plus de contraste. Il y a plus de contraste socle-Nécron que de mon côté euh, euh, avec, avec mes Dark Angel. Alors maintenant, je continue. Hein. Voilà, c'est bon, ça le problème, c'est que oui. quand tu quand t'en tu as fait 10, t'es obligé de te faire toute l'armée, hein, t'es baisé. Ou tu recommences. Ouais, ou tu, voilà, bon, euh, tu recommences, mais bon. Non, Alors... après, ça me va, ça me va. Mais c'est vrai que si on, si on analyse ce qu'on vient de dire. Bah, du coup, euh, voilà, ça, se... ça peut se critiquer au cas où. Justement, pour aller dans ton sens, la logique de traver... travailler sur le chaud et le froid, couleur chaude, couleur froide, il est... ça marche bien aussi. Euh, là, moi, je suis en train de faire mes, euh, mes custodes. Ils sont pratiquement terminés là, Demain, ils seront terminés. Et je me suis dit, putain, le socle. Et au départ, ouais. je... je fais gris. Je vais vous montrer. passer en, en plus grand, même si vous verrez pas grand chose, pas grave. Hop. Voilà, je peux si grand chose. Ah, bah en plus, je l'ai pas mis en autofocus donc ça va être euh, voilà. Mais bon, en gros, en gros, en gros au départ, le socle, je le fais euh, gris gris, euh, gris, euh, vraiment, euh. j'aime bien faire des trucs euh, genre industriels sur un peu tous mes socles parce que du coup ça passe un peu partout. Et puis euh, bon voilà, ils sont à la guerre, ils marchent dans le truc, euh, ils cassent tout, euh, donc euh, bon voilà. Ok, jusque là, ça va. Et euh... et donc, je fais gris et je mets la figurine dessus qui est en or et qui est donc extrêmement monochrome et j'ai un socle extrêmement monochrome et les deux sont, dé sont désaturés un or qui euh, se voulait justement un petit peu euh, euh, poli et mon soc qui est gris et ben ça marchait pas en fait il a fallu que je remette un coup un petit peu de, de, de... en fait j'ai pris du, marron. du... ouais j'ai remis un petit chouille de marron et en fait j'ai fait mon dégradé j'ai fait mon brossage à sec avec une couleur un peu crème pour que, euh, pour que ça marche et, euh, et, et après, de... <coughs> demain, je mettrai le pigment et on, et on reviendra dessus. Mais. Bah, tu vois, moi, pour, pour, pour répondre euh, à Rayamundo, il dit, dans quel cas tu mets un contour brun Eh bah justement, j'allais le dire. Ah bah, bah voilà. dire. C'est exactement ça. C'est que je fais le socle... Je fais mon contour noir, et là, bah, je trop noir. Ben ouais, je trouve que ça marche pas quoi. Et j'ai eu le même problème avec mes ultramarines qui sont bleu désaturé, contour de socle noir. J'ai trouvé que ça a écrasé la figurine. Donc, j'ai pris un contour de socle un peu plus chaud, acajou. Euh, acajou tirant vers le noir, mais acajou quand même avec une touche de rouge qui va me donner un contraste colorimétrique euh, entre les deux, entre du chaud et du froid. Donc, la figurine là qui est plutôt froide. Voilà, de l'or, du, 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 du bleu désaturé, et ce tour de socle en fait en dessous. Et euh, ça c'est une euh, idée que j'ai piquée à Manu. Quand tu avais fait, euh, quand tu avais euh, fait euh, le concours là pour le, pour, euh, le Golden Demon, eh ben tu avais fait ton socle, ton tour de socle en bois, en imitation ah, en, en bois. Oui oui, 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 avec des petites traits là, et des nœuds là pour faire voilà. comme si. Ouais, ouais. C'est sur qui Sur euh, Teclis, je crois. Non, c'est sur euh, c'est sur le Dark Angel, c'est sur Azrael. Et donc j'avais gardé cette idée-là, tu vois. Alors euh, je me fais pas chier à faire de, euh, des traits. Hein. À faire Mais... du bois. <rire> non. <rire> Mais par contre, c'est pas grave. Je veux dire, t'as cette ce côté contraste de chaleur, contraste entre quelque chose de, de, de chaud et quelque chose de froid. Donc ça, il faut y penser parce que là encore, c'est toute une armée à faire. Et euh, avant d'aller. Euh, et on, on va finir euh, là-dessus. Après, vous mettez votre touffe d'herbe si vous voulez. Et vous mettez votre pigment. Alors, moi, je mets la touffe d'herbe avant de mettre le pigment. Je mets le pigment après. Comme ça, ça lie évidemment la touffe d'herbe avec le pigment. Pigment qui peut être gris, qui peut être noir. Enfin, noir. Gris euh, foncé. Rouge. Ça marche très bien. Sur n'importe quel type de socle. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Mais ça fait des touches de rouille et ainsi de suite. Pour du 40 minutes, c'est très bon. Et puis après, vous allez. Bien sûr, vernir votre figurine parce que sinon votre pigment il va il va se barrer et vous allez en foutre partout. Euh, voilà. Euh, donc toi le pigment, comment tu fais pour le poser Moi je le pose sec et je vernis après, ce qui en enlève les trois quarts, hein, mais euh, mais c'est pas grave. Ouais moi c'est pareil, je mets pas de, je mets de moins en moins de. Si le socle est un peu balèze, je mets un peu de fixateur de pigment. Euh, T'es à la flotte là. Mmh. Mais pas pas où il y a les pompes en fait. Pas où y a mais les je les trouve pieds. que ça fait des Paquet et Déjà, ça fait dégueulasse. ouais, je trouve que ça fait dégueu et et ça noircit vachement le pigment en fait. Il revient. De... En fait, je... euh... il ne revient jamais. En fait, moi, j'ai des cailloux, donc le pig... Je mets un peu de pigment. Si j'en mets moins maintenant, du fixateur, je m'en fous un peu. Et euh... mais quand je voulais pas qu'il y en ait, quand il y en a trop, je mets un peu de de, de fixateur. Il s'évapore et ça va. Et par contre, quand il... tu as, le... as la pompe du space marine ou de la figurine qui est sur un, un caillou. Et là, je mets euh, du pigment euh, euh, sur la chaussure, ça. à sec, ouais, ouais à sec, quoi. Enfin, comme ça. Comme si et... c'était de la poussière sur la chaussure. Ouais, voilà. ça. exactement voilà. Et ouais. pour finir euh, sur euh, ces euh, socles pour ce soir, euh, bon, alors bien sûr, un hein, technique, il euh, y en a différentes, il y en a qui passent par le brossage, ainsi de suite. Je pense quand même que quand tu fais tes socles, le brossage c'est ce qui est de plus simple euh, et ce qui est de plus efficace. Parce que ça donne ce côté crayeux, justement, qu'on ne veut pas sur les figurines et qu'on veut sur le socle, parce que sur le socle, eh ben, c'est la guerre, il y a la poussière, il y a du ceci, il y a, du... il y a des bouts de béton, et ainsi de suite. Et puis, euh, et puis surtout, la question, faites-vous vos socles à part ou faites-vous vos socles avant C'est-à-dire avant, euh, avec la figurine dessus, ou, euh, euh, ou à part, c'est-à-dire tous. D'un côté, puis après vous collez votre figurine et là vous liez justement votre figurine avec du pigment. Moi personnellement, la plupart du temps, je fais mes socles avant que la figurine ne soit zénitée. C'est-à-dire que je fais ma figurine, je la, euh, comme on vous l'a dit, je, <coughs> je la bombe sur grappe, je la, je la monte, ensuite je la mets sur un socle qui a déjà été texturé. Euh, je l'aime ou pas d'ailleurs, euh, ce que j'aime bien que ce soit un peu lié aussi, euh, que les, les figurines ne soient pas posées mais qu'elles soient un Posée, peu. Posées dessus, ouais, voilà. ça tient pas bien. Et ensuite, je fais mon coup de zénithal. Donc, souvent, mon... mon socle il a pris un coup de bombe noire avant et après, je fais mon zénithal. Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font, et notamment toi Manu, qui faisais à un moment tous tes socles à part. Il y a même des gens alors, qui alors font tous leurs socles avant de faire leur armée. Ça, Moi, c'était avant ça. En fait, avant, je faisais mes socles parce que tu te rappelles, un truc ça peut, un peu cramé, les socles carrés de Games. En fait, comme moi, je voulais mettre des aimants à l'époque, ça n'existait ah pas. Ah oui, comme je ça. me rappelle. Enfin, pour moi, parce qu'on était dans une petite bled où il y avait quatre habitants. Et en fait, euh, donc je mettais du polyfila sur tous mes socles, tout plein, pour, pour faire euh, ça, les, ça. Lourdissait mes filles, comme elles étaient en plomb, c'était normal. Voilà. Mais du coup, je faisais sécher ça. Après, je retournais tout. Et après, je mettais mon petit sable. Voilà. Puis après, je brossais ma figurine. Donc tous mes socles étaient prêts. Et après, je coupais les barres en ferraille. là, Et je collais mes figues à la glue euh, directement euh, sur les socles. voilà. Et euh, Mais maintenant, c'est fini ça. Avec euh, les nouvelles figues, je regarde un peu comment elles vont se monter. Parce que du coup, il y a du montage. Alors qu'avant, tu avais la figue, tu savais déjà comment elle était. Et euh, je me suis jamais servi très très peu de, 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 tu sais, de la barre qu'on avait avant en diagonale. Euh, euh, non, ça, c'était pas pour moi. Et comme ça, après, je pouvais coller mes aimants. Et comme aujourd'hui, les socs sont ben, ronds, carrés, enfin creux. Maintenant, je mets mon le premier truc que je fais, c'est je prends tous mes socles retournés à plat de, de, de mon escouade ou de mon truc et je colle un aimant dessus. Voilà, tac, je colle ma glu, et je fous mon aimant dessus. Maintenant, j'ai trouvé une autre combine. Euh, je vais dans mon je vais dans mon garage. Et euh, je mets un coup d'accélérateur de, euh, de, de cyanolate là, tac-tac-tac-tac, comme ça c'est vite sec. Ça ne dure pas toute la nuit, ça ne me blanchit pas mon bureau que j'ai déjà cramé deux fois. <laughs> euh, et après, ce que je fais, c'est que j'ai de la bombe noire un peu dégueulasse et je mets un petit coup de bombe vite fait parce que je suis un peu perfectionniste pour des conneries. Donc je sous-couche mon dessous de bombe, mon dessous de socle pour pas qu'on voit les mains qui brillent. Bon, ça c'est psychologique. <laughs> Sinon je ne dors pas bien. Donc, vous voilà, voyez, vous imaginez ah. ce que c'est de travailler non. avec ce mec là et d'être son pote Donc. depuis 25 ans. Juste, je vous le dis tout de suite. Le... Ouais. Le taré, ce Mais... n'est pas Mais... celui qu'on croit. Qu'est-ce que <laughs> tu fais, Philippe <laughs> Philippe, qu'est-ce que <laughs> tu fais Oh putain, il ne rien, je suis juste collé. Tu sais. Et en fait, donc voilà, après je fais, et là maintenant, comme je veux, comme tu disais, que ça soit lié, euh, je, je, je colle ma figue, je fous mon. mon... Donc je prends un peu d'avance pour ça, euh, je, je colle à la glu. Euh, un peu de litière de chat ou de cailloux un peu gros, un ou deux, voilà. Euh... Ah, je n'avais pas pensé à les et... litières de chat, c'est pas con, ça. Euh, ouais, de... c'est les petit gros cailloux là, qui ouais. traînent. Et ensuite, voilà, donc euh, ça c'est à la glue, parce que la colle à bois, euh, la, la PVA, en fait, euh, je pense que la, le truc de la litière, il doit becter le truc et ça tient pas bien, de absorber la colle. Et, ouais. euh, et ensuite, quand ça c'est un petit peu sec, je mets donc, ma figue dessus. Voilà, donc je fais tout ce qui est glu, et après je mets ma colle à bois avec un petit pinceau, et je, je mets des petits coups de sable dessus. Et quand ça c'est sec, je bombe en noir, en je sais pas quoi, enfin on s'en fout, après je fais mon zénithal, quand je fais du zénithal, j'en refais pour mes squelettes, je trouve ça cool. Et voilà, et après, premier truc que je fais, c'est euh, faire le socle. C'est-à-dire je peins en noir mon socle, par exemple là en ce moment mes figurines sont plutôt noirs marron enfin on s'en fout. Je peins à fond. Je brosse comme un porc, donc j'en fous un peu sur les pompes de la figurine, et au moins le gros du socle est fait. Voilà. Et si tu tâches ton socle, tu... c'est plus facile à rattraper que l'inverse. Après, il y a... alors déjà, c'est facile à rattraper parce que mmh. si tu vois que c'est noir, tu remets un peu de noir. En plus, maintenant, avec la contraste, c'est un peu translucide, donc ça va vite. Et, et le truc, c'est que euh... après, tu le pigment. Et ça, ouais. on n'avait pas ça avant. Avant, ouais, on avait pigments, pas de pigment, lit. C'est euh... un truc de fou. Ça ouais, lit tout le truc. C'est un truc de fou, le pigment. C'est <laughs> oufissime. <laughs> c'est vrai que c'est un cache-misère. C'est un Ah oui, c'est. <laughs> Oh là là. C'était pas la bonne couleur quand même mon sac. Tiens, t'as un peu de marron. Ah, ça rend bien. Je suis bon. C'est clair. C'est exact. Tu voulais faire ça. ça Ouais ouais, je voulais faire ça. Bah Attends, tu rigoles ou quoi Je pense qu'il faut avoir un pigment un peu de toutes les couleurs. Un rouge, un, rouls, non, un marron, moins. un ouais. machin. Un truc. Ouais. Puis alors de temps en temps, quand, tu, quand vraiment tu cales, tu, tu, tu mets un coup de pigment, tu sur la gueule au machin, tu mets un coup de bombe, bombe dessus, ça enlève le surplus et tu te dis... Oh, ça donne bien en fait, <laughs> oui, mais ça fait bien. Moi, j'ai là pour mes squelettes, par exemple, je mets du noir, du vert et du marron. C'est à dire que mon socle il est gris pour faire un, une terre un peu un peu euh, comme le seigneur des anneaux, là tu vois, un, peu, un hum. peu noir machin. Et après, je mets un peu de marron parce que c'est jamais noir. Après, je mets un petit peu de vert parce que la verdure ou les trucs reviennent. On voit très très peu, très léger et un peu de noir noir. J'ai un pigment noir noir qui peut refoncer des endroits. Euh, pour le rendre machin. Et, euh, et comme il y a eu le brossage des cailloux en dessous, bah on, enfin, voilà, ça donne un, un aspect qui est, qui est pas mal. Puis après, avec un peu de marron, un peu de vert, selon comment c'est, je brosse un peu le bas de la robe de la figurine, ou, ou de la pompe, ou un truc comme ça. Et en fait, ça, ça, j'aime bien ce que... Voilà. Mais euh, exactement, voilà. c'est exactement ça. Ouais. Tu as tout à fait raison. C'est comme ça qu'il faut s'en servir. Effectivement. Après, <laughs> c'est toujours le risque. <laughs> Emmanuel, quand il veut pousser le niveau de son socle, il retourne et il finit un <laughs> <avant de> rep... <laughs> C'est presque un peu vrai ça. Non, il... il repeint le tour du truc en aluminium, mais pas le bout qu'on voit. Ah oui, non, mais... les gens ils disent Ah, mais du coup, ça a vraiment. De vine, <laughs> alors Jean Mich Mich voilà. qui dit jamais utiliser de pigment, je sais même pas comment ça utilise. C'est très simple le pigment, bah, soit sec, donc tu vas prendre avec ton pinceau et puis tu vas tapoter et ça va se déposer. Et puis après le surplus va s'enlever au moment où tu mets un coup de bombe de fixatif. Ou alors tu as un fixatif avant que tu vas soit poser sur ton socle et après et, et poser ton pigment dessus. Mais là ça devient vite le bordel parce que ton, ton, ton ton pinceau risque de s'humidifier, donc du coup ton, ton pigment va se. Va se transformer en pâte, en fait, en peinture. Et là, ça devient vite chiant. Après, il y, y a une autre méthode qui est pas mal aussi, c'est de prendre du, 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 bah, du déliant, enfin, de, de, de quoi faire en fait euh, une peinture, puisque le pigment, c'est ce qui est la base de la peinture, et tu vas euh, euh, vraiment créer, en fait, une espèce de jus. Euh, très très liquide, très très transparent, dans lequel il y a du pigment. Et en fait, tu vas badigeonner ton truc, et le pigment va se déposer euh, un petit peu comme un, comme un lavis, en fait. Le pigment va se déposer, parce qu'il est plus lourd, et, euh, et en fait ton, <coughs> ton alcool en fait, va s'évaporer, ouais, et ça c'est bien, parce que du coup là, ça le fixe quand même, le pigment. Euh, et notamment, ça marche très bien ça pour les bâtiments. <laughs> Après, c'est compliqué de faire un brossage sur un pigment, parce que ton pigment, est jamais sec, puisque, quand, enfin, il est, par définition, il est sec au départ. Euh, mais euh, quand tu vas le brosser avec de la peinture, il va venir avec. Et ça, euh, c'est compliqué de brosser. C'est vraiment la dernière étape pour moi, le pigment. Rebrosser sur un pigment, c'est quasiment euh, suicidaire. Non, moi je fais pas. Ouais. Surtout que c'est volatile. Ça se barre, quoi. Non, mais Et... le pigment, c'est où il y a, y, a, y a des gens qui viennent au magasin. Parce que moi, j'ai fait ça au pif. Hein, j'ai regardé. Euh, Il y a des tutos de fixation. Le, tu mets ça tout. J'ai pas tout compris. Puis moi ça me va bien ce que je fais. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui, quand ils voient les au magasin, qui regardent les pigments, ils se demandent ce qu'ils vont en faire. En fait, c'est marrant. Et en fait, moi, je prends avec un pinceau plat, là, tu le type langue de chat. J'en fous sur ma petite serviette. Le pinceau est super sec. Et puis, je prends comme si je versais par petits bouts. Je tapote. Mmh. Et après, pff, hein, je. je le surplus, je, je, je le souffle déjà. en fait Comme ça. Voilà, tac. Et je remets un petit peu aux endroits qui me plaisent bien. C'est super facile. ne me prends même pas la tête. Hein. Je ne me prends même pas la tête. Ah mais moi, je, je connais des, des, des peintres oui. qui, euh, notamment, et je pense que pour mon projet euh, Roi des Tombes qui va commencer d'ici, euh, si tout va bien d'ici une semaine ou deux, il euh, y a une grande partie de la figurine qui va être au pigment. Je ne veux même pas m'emmerder. Hein. Ça, ça va être sous couche noire, zénithale, pigment. Bim dans ta tronche. Pour un squelette, ouais. ça peut faire le taf. Hein. Moi, j'ai connu, euh, c'était Agrid, il prenait les, du Mechanicus, il avait fait une armée comme ça, franchement, elle était belle. Il, il avait mis toutes les couches de base, il, avait, il prenait un Kinder, mettait la figurine dans le Kinder, mettait du pigment rouge dans le Kinder, il secouait le Kinder, il ressortait la figurine, elle était nickel. <laughs> ça s'était mis dans tous les creux, ça s'était mis dans toutes les interstices et tout, ça faisait rouiller, c'était génial. Donc euh, voilà, il y a plein de. Le pigment, c'est vraiment intéressant. Walivalou, mon cher Manu, bah on a, non, on a débordé bien. un peu sur les socles. Mais bon, c'était intéressant, les socles. Non, on a débordé sur. Euh... Non, pas sur les socles, c'était très bien, les socles, c'était cool. Non, non, c'était un peu à cause des boudages de Games qui nous ont saoulés. On n'en serait pas là s'ils si n'avaient pas fait chier, putain. <laughs> c'est ça. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, hop, je change de caméra parce que bon, on a, on a, c'est une émission qui est relativement produite quand même. On se retrouvera la semaine prochaine pour euh, ben, les reveals. On, on reverra ensemble les reveals euh, qui ont lieu dans trois jours euh, de Games ah bah, Workshop. Oui. Euh, on les regardera ensemble. Et puis euh, la semaine d'après, on, on, on continuera notre processus et là, on s'attaquera un petit peu à tout ce qui est le jeu. et, euh, et, et euh, car dans le processus de sa réussite dans le hobby, et eh bien dans son projet hobby, eh bien le jeu est important et surtout la manière d'appréhender le jeu et comment euh, bah, ne pas rebondir sur euh, bah, soit les règles, soit le jeu, soit la compétition, soit la non-compétition, soit le fait qu'on y trouve ce qu'on recherche. Et pour trouver ce qu'on recherche, parfois il faut savoir ce qu'on recherche et c'est pas toujours évident. Euh, donc ça, on en parlera d'ici euh, une quinzaine de jours. Merci beaucoup, mon cher Manu, d'être encore merci avec nous en ce lundi. Merci à tous ceux qui étaient là ce soir, à ceux qui ont fait des dons. Merci à tous, puisque c'est grâce aux tipeurs de la chaîne et à vos dons que nous pouvons continuer, enfin, que je peux continuer euh, à travailler euh, entre guillemets pour vous. Euh, donc, euh, voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui, euh, qui, ont su qui ont suivi aussi le dernier rapport de bataille et la dernière vidéo sur. Comment apprendre à jouer à euh, Warhammer The Old World. Merci à tous ceux qui ont fait des commentaires. J'ai vu que même Manu avait fait un commentaire. Donc ça veut dire que les, la vidéo lui avait plu. Et euh, donc on se retrouve jeudi pour euh, une vidéo sur le format patrouille. Sur le format patrouille frontalière. Vous allez voir un format qui date de 2002. Et, euh, et on se retrouve lundi prochain bah, pour les Vioques avec Manu. Si Dieu nous prête vie, hein, bien sûr, mais euh, normalement ça devrait aller quand même jusqu'à lundi prochain. Et donc merci euh, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc euh, lundi en direct. Et d'ici là, euh, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagade n'est rien.